prochain fer. Bonsoir. Je n'ai pas de micro depuis tout à l'heure et personne ne me l'a dit. Fantastique. Wait. C'est bon, normalement Vas-y. ça doit être réparé. Ok. Plus Donc, parler dans comme le je le vide depuis tout à l'heure, disais, c'est ça? deux sujets pour ce soir. Comment jouer des PNJ puissants et comment rendre crédible un antagoniste. Avec moi pour en discuter, trois membres de la chaîne Aléa, joueurs sur la campagne du samedi. À ma droite, Cobra, qui interprète le clerc Sébas, principalement joueur de D&D et un peu MJ aussi. En dessous de moi, Flune, qui interprète Kirillia, beaucoup joueur et régulièrement MJ aussi. Et en bas à droite, Trusugal, joueur de Valou. Artiste et MJ parfois, ça lui arrive. Ouais, ça lui est Alors, arrivé. et pour et moi, On donc, pour voudrait que ceux ça qui ne me aille connaissent plus. pas, MJ sempiternellement et parfois joueur également. Je vous propose donc ce soir de commencer par le sujet sur les PNJ. On a déjà dans un précédent numéro couvert la question des PJ. Comment incarner en tant que joueur un prince, un capitaine de garde? Quelqu'un qui a de l'influence. Ce soir, je vous propose vraiment de parler des PNJ très puissants, archimages, rois, barons de la mafia, grands généraux, etc. Dieu. Dieu, éventuellement. Même si le cas des dieux, des archidémons, c'est un cas qui est un peu à part et qu'on abordera, je pense, en fin de sujet. Parce que ce sont des entités qui ne répondent même pas aux règles courantes auxquelles sont soumis les mortels. Alors, bah justement, quels sont les PNJ que vous iriez qualifier de puissants dans une campagne, dans un monde? Si vous deviez faire une liste des PNJ dont on pourrait parler ce soir, qu'est-ce que vous listeriez? Je commencerai par ceux qui ont une importance politique, donc que ce soit dirigeant d'un pays ou même à moindre échelle d'un village, peut être intéressant d'avoir un maire important. Mais on verra plutôt plus loin que ça avec ouais, vraiment des rois ou pas un conseil, quelque chose comme ça. Ok. Donc les bourgmestres, les hauts conseillers diplomates, les princes, les rois. Donc la sphère politique. Ok. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, ça, je pense que ouais, ça peut être le cas. Après, tu peux aussi avoir des cas particuliers où ton bourgmestre ou ton roi, par exemple, tout en étant important, ne va pas avoir autant d'influence que prévu. Imaginons, par exemple, que le pouvoir effectif soit tenu par quelqu'un d'autre, ou que ton roi soit pas respecté de manière générale. Parce que genre le pouvoir est détenu par les nobles locaux, tu vas pouvoir du coup avoir une relation qui va être un peu différente. Il sera toujours influent, mais beaucoup moins, et ce sera pas le point central de tes PNJ. Et inversement, tu peux avoir aussi des petits gens qui peuvent être très, très influents. En tout cas pour toi en tant que PJ. Pour les PJ de manière générale. Imaginons par exemple que tu peux avoir ton père adoptif, par exemple, sur ta campagne, qui va être plus influent que... Alors, je pense que ça serait important de définir ce qu'on entend par l'influence, déjà pour Ouais, commencer c'est dans ce ça. cas-là. Moi, pour le coup, j'aurais dit que tous les personnages que je considère comme puissants et influents
ceux qui peuvent avoir un levier majeur sur ce que font les joueurs, ou même, non, je dirais plus que ça, sur les gens du monde, en fait. Ouais. Quand tout à l'heure, Cobra parle de politique, de personnages qui ont une importance politique, on peut aussi parler d'importance économique, ceux qui détiennent l'argent, ceux qui, du coup, politique, ceux qui détiennent la terre, ceux qui détiennent de l'influence sur les gens. On peut parler aussi des chefs religieux, ceux qui ont beaucoup de suiveurs, parce qu'en fait, leur interaction avec le groupe va influencer de grosses masses de personnes, accorder de larges moyens, peut vraiment influencer de manière majeure l'évolution du groupe dans le monde. Je suis assez d'accord avec toi. Alors pour moi, l'influence, c'est pas subjectif. L'influence, c'est vraiment quelque chose de très objectif, ouais, qui va avoir une notion profondément politique et qui va se mesurer dans la capacité de la personne à influencer, à agir sur les événements du monde au sens large. Pas juste le groupe. Là, pour moi, ce soir, on va vraiment sortir de la question de genre ton père, ton mentor, de ces personnages-là qui sont influents à ton échelle personnelle. On est vraiment en train de parler d'une influence sur le monde, en fait, de manière générale. Donc en fait, on pourrait limite considérer que le groupe de PJ peut être mis à l'écart et ils auraient toujours une influence importante. C'est ça. Sans... C'est ça. Oui, bien sûr. Pour moi, les personnages influents, ce sont des personnages qui, en fait, vont avoir de l'agency, du pouvoir d'influence sur le monde, au-delà du groupe. Et pour moi, c'est un premier point qui est assez important sur ces personnages influents, c'est qu'en fait, ils te poussent à décaler ton spectre de vision, en fait, du groupe vers les PNJ qui sont autour. Les personnages influents, ils sont aussi là pour montrer que tout ne vient pas du groupe, que le groupe n'est pas ultra puissant, ne sont pas les maîtres du monde, tout ne dépend pas d'eux. Même si c'est important, encore une fois, de donner du pouvoir au groupe, de montrer qu'ils influencent le monde et tout. Mais ces personnages influents, ils sont là pour montrer au groupe qu'il y a des plus puissants, qu'il y a des gens avec qui ils vont devoir composer, des gens avec qui, en fait, dont ils peuvent chercher l'aide, et pour montrer que le groupe, c'est pas les seuls protagonistes, finalement, de ton monde, qu'il y a aussi des gens autour qui vont faire avancer ou ralentir les choses. Ouais, cela dit, alors je suis d'accord dans un sens, par contre, on est quand même en jeu de rôle, et chaque élément du monde en jeu de rôle, souvent, se pense quand même autour du joueur, du PJ. Et par exemple, il y a des erreurs assez évidentes qui peuvent se passer quand un MJ pense son personnage puissant comme justement un protagoniste, comme quelqu'un d'indépendant. Et quand il rencontre les joueurs, au final, on a quelque chose qui n'est pas... Comment, qui relègue, on va dire, les... Je pense que ça peut aussi être un effet recherché, mais qui peut reléguer les héros à ce qu'ils ne sont pas, ou avoir un décalage de statut où le personnage influent se pense trop influent ou pas assez. Voilà. Mmh. Et à chaque fois, pour moi, ça doit être un rapport entre le statut de ton personnage influent dans le monde par rapport au statut de tes héros. C'est toujours cette espèce de balance qui va déterminer comment tu vas les jouer, pour moi. Mmh. Pour cadrer un peu plus le sujet, on voit aussi le sujet comme étant le rapport des personnages influents par rapport aux PJ, notamment par exemple lors d'une confrontation directe entre les deux. Pas simplement ce qu'ils influent, leur existence dans le monde, plus précisément leur relation dans le monde par rapport aux PJ. C'est bien cela ? C'est-à-dire que moi, je ne sortirais pas le PJ tout de suite. En fait. Moi, à mon avis, tu ne peux pas sortir le PJ parce que tu montres au PJ comment l'influence du personnage puissant, essentiellement par les interactions avec les PJ, ou alors en montrant des interactions avec d'autres, avec le monde. Hein. Et ce sera toujours, au bout d'un moment, dans le but de le confronter au PJ. Parce qu'il a quand même un rôle scénaristique, bien évidemment, ton personnage puissant. Alors, attention par contre, Trusu, quand je dis montrer aux PJ que ce ne sont pas les seuls protagonistes du monde, ça ne veut pas pour autant dire sortir les PJ de ton histoire, bien évidemment. Oui, bien sûr. C'est pas exactement... J'ai du mal un peu à formuler ça, mais c'est... C'est quand t'as une espèce de décalage. Je l'ai vu assez souvent récemment sur des campagnes où en fait t'as l'impression que ton groupe est dévalorisé assez énormément parce qu'il faut valoriser le personnage puissant. C'est ça que je veux dire. Et qu'il y a une sorte de décalage dans la relation qu'ils ont, alors que le groupe, par exemple, est soit indispensable, soit plus puissant que le personnage puissant. En réalité, voilà, c'est juste il y a un problème de rapport entre les deux, et pour moi il faut toujours que le MJ garde en tête ce rapport entre à un instant T, qui peut changer d'ailleurs ce rapport là
entre le groupe, les PJ, et le personnage puissant. Tu peux très bien rencontrer un personnage puissant à un point de la campagne, il te chie dessus et il te fait comprendre qu'il est très très puissant, et voilà. Et à un autre moment, où il va avoir un rapport beaucoup plus cordial, parce qu'il va se rendre compte que les personnages qu'il a en face sont au moins aussi puissants que lui, ouais. Ou qu'ils sont capables de lui apporter soit beaucoup, soit de lui prendre beaucoup. Ouais. Voilà. Pour moi, ça c'est un point important, ce que tu viens de dire, c'est que, enfin, il y en a plusieurs des points importants. C'est que d'une part, c'est jamais un truc qui doit se faire au détriment du groupe, comme le rappelait Trusy tout de suite. Tu montres qu'un personnage est puissant pour déjà lui montrer qu'il a grandi, puisque s'il est en contact avec ce personnage puissant, oui, c'est qu'a priori, déjà, le groupe a une forme de puissance, pour lui donner des leviers, en fait, de RP, de mécanique. Je pense, en fait, que pour bien faire un personnage puissant, c'est pas juste quelqu'un qui va crier très fort avec beaucoup de gardes autour de lui. Pour moi, un personnage puissant intéressant, ça peut être quelqu'un de complètement paumé au milieu des marées, genre archidruide. Mais, en fait, il va te faire ressentir sa puissance. On dit toujours au théâtre, au cinéma, montrer plutôt que dire. Et je pense que c'est très valable en jeu de rôle aussi. Et comment tu montres la puissance d'un personnage ou d'une créature à un groupe? C'est la discussion qu'on avait dimanche. C'est en lui faisant ressentir que ce personnage peut t'apporter beaucoup si tu choisis d'en faire un allié, ou qui peut te gêner énormément si tu choisis d'en faire un ennemi. Au-delà de tout ce qu'il va te dire, de toutes les démonstrations de pouvoir, de force qu'il peut te montrer, au-delà de toutes les forteresses qu'il peut raser sous tes yeux pour te dire « Hey, je suis puissant !» Ça, c'est vraiment le truc pour moi qui va déterminer que t'es un personnage puissant et va vraiment te le faire ressentir en tant que joueur, c'est quand tu te dis « Ah là là, j'ai vraiment envie de m'allier avec ce mec-là » ou alors « Oh là là, je veux vraiment pas me mettre cette nana à dos !» Au-delà de « Oula, j'ai peur, si je dis une bêtise, il va me tuer !» C'est vrai que ça, c'est pas évident, genre... Je vois que dans ma campagne, les PNJ que mes PJ ont tendance à bien respecter, c'est ceux qui ont tendance à avoir beaucoup de pouvoir de manière générale, de pouvoir magique, j'entends. Et c'est parfois difficile de faire ressentir la même chose en termes d'influence politique. Disons que c'est, la puissance magique, c'est rapidement démontrable et rapidement impactant. Par contre, la puissance politique, c'est quelque chose de plus subtil. Te montrer que c'est important, montrer que le PNJ est important plus qu'en affichant son image sur toutes les rues, c'est pas... Moi, j'ai pas envie d'entendre vos façons de les rendre, justement, de faire ressentir cette puissance sans passer par des moyens plus magiques, du coup. Actuellement, moi je suis l'un des exemples que Trusu a cité sans citer de PNJ, enfin, d'une campagne où les PNJ importants n'utilisent pas les bons leviers ou ne donnent pas assez l'impression, ne donnent pas le bon change face aux joueurs, vu que j'ai pas encore bien géré ça et je suis très content d'être ici pour apprendre d'ailleurs. Mais actuellement, moi, j'ai bien vu les erreurs, les problèmes qu'il y avait au niveau de ma sphère politique, et j'ai bien prévu d'essayer de les résoudre. Donc, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de conseils à donner, juste peut-être des erreurs à pas faire, mais je pense qu'on va tous les dire plus ou moins au fur et à mesure. Bah, en vrai, si tu veux les dire, tu peux les dire. Je pense que c'est aussi le moment où on peut revenir dessus. Tout à l'heure, je n'ai donné une. Donc... Déjà, l'important, c'est aussi la préparation de ce qu'ils font autour des joueurs, c'est-à-dire comment ils vont gérer leur ville. Et du coup, à partir de là, tu peux voir, sans avoir les personnages, les PNJ en face des joueurs, on peut voir dans la ville peut-être des réactions par rapport à la politique, s'il y a des manifestations parce qu'ils veulent pas ça, ou si au contraire ils sont tous en mode oui, le bourgmestre il est trop bon avec nous, machin. Tu peux déjà avoir un avant-goût de ton personnage avant tout. Et du coup, en ayant préparé ça, tu vas avoir une approche différente de son caractère probable face aux joueurs.
Ça, c'est un bon moyen. Je pense que c'est vrai que donner des... Un peu comme pour un antagoniste, qu'on prépare un peu à l'avance, dire quelques informations, même très légères sur un personnage puissant, un peu à l'avance, qui va préparer la rencontre, ça peut être bien. Comme autre chose qui peut être bien, là, pour le coup, c'est quand tu le rencontres. C'est que, on va dire, les éléments qui fait que... Ça, c'est plus pour répondre à Flune, du coup, que, mis à part la magie, il peut être puissant, montre qu'il a des informations, montre qu'il a des contacts, montre qu'il a éventuellement de l'argent. Ça, c'est, on va dire, c'est le pouvoir traditionnel. C'est ce qui fait que, sans avoir de magie, t'es puissant, tu vois. Montre qu'il sait parler aussi. Je vais rebondir sur ce que dit Trusu et répondre à Flune en même temps. Ce que dit Trusu est hyper important. Et en fait, il y a une distinction à faire entre la force et la puissance, selon moi. C'est-à-dire que ton archimage, il est fort. Il peut balancer des traits de feu qui crit à 47. Typiquement, en fait, je vais prendre un exemple très con. Et Adèle, sur la campagne de Valkynia, donc l'archimage qui fait très oncle Hiro, qui est hyper, en fait, qui est très fort, mais qui s'est complètement coupé du monde, c'est un personnage qui a énormément de force. C'est un très grand mage, très puissant, il peut lever des montagnes s'il veut, mais qui n'a aucune puissance, justement. Je comprends ce que je viens de dire. Il est très fort, mais il n'a aucune puissance. Inversement, Khazimar, donc le grand roi Khazimar, c'est quelqu'un qui a énormément de puissance, sans forcément avoir de la force. Vous lui mettez un coup de tête dans son bureau, il tombe sous la table, il y a des chances qu'il meure. Et qu'il roule, qu'il traverse la fenêtre, qu'il tombe du 7e étage. Genre, je prends un exemple historique très très con, genre Charles Ier, période de la Révolution anglaise, etc. C'est quelqu'un qui a énormément de puissance. Je rappelle Charles Ier qui va se faire assassiner, après c'est l'arrivée de Cromwell, etc. Par la population. C'est quelqu'un qui a énormément de puissance, tu prends ton roi traditionnel, mais qui n'a pas forcément de force, beaucoup. De même, un archimage, un archidruide, un archiprêtre, ça peut être des gens avec énormément de force dans le monde de D&D, les pouvoirs magiques, mais qui peuvent n'avoir absolument aucune puissance. Et les deux ne sont pas synonymes. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que c'est vrai que j'ai vu souvent des MJ qui, en fait, font équivaloir force et puissance. C'est-à-dire qu'un PNJ qui va arriver en te disant « Tais-toi, agenouille-toi, parle-moi mieux ou je te fais tuer », c'est en fait quelqu'un qui fait une démonstration de force, mais qui ne fait pas une démonstration de puissance. C'est ça. C'est en fait la puissance du petit baron de la mafia, qui confond les deux, tu vois. Le parrain, il a de la puissance, parce que comme disait Trusu, en fait, il a de l'information, il a du réseau, il a de la capacité à modifier le monde autour de lui. C'est pour ça que la manière dont Trusu le disait et le listait était hyper intéressante, parce que selon moi, t'as dit tout ce qu'il y avait d'important pour un personnage puissant. Le parrain de la mafia, bien sûr, si tu le respectes pas, il va te défoncer. Sauf que le parrain de la mafia, comment il est devenu parrain ? Parce que justement, c'est un gars qui a l'intelligence de faire la part des choses et de mettre dans la balance ce que peut te rapporter un groupe d'aventuriers s'il travaille avec toi et ce que peut te faire perdre un groupe d'aventuriers dont le barde vient de t'insulter pour la deuxième fois. Le mec malin, le mec vraiment puissant, a priori, s'il se dit « bah j'ai plus de trucs à gagner en travaillant avec eux que j'ai de trucs à perdre si je les laisse m'insulter encore une fois dans mon bureau bah, », en fait, il va continuer de travailler avec toi. Il va te faire une remarque, il va te dire de la fermer. Il va peut-être te faire un coup en douce par derrière pour te calmer. Mais il va certainement pas aller dire « Je vais appeler tous mes gars, ils vont rentrer dans le bureau, ils vont tous vous exécuter. » Parce qu'il sait qu'il a tout à perdre, lui-même. Et en fait, c'est là que tout va se jouer pour moi sur un personnage puissant. C'est si tu franchis cette limite ou pas. Si tu es capable de faire ressentir cette puissance à ton groupe de joueurs, d'une manière, en fait, soit en leur faisant comprendre qu'ils vont perdre beaucoup s'ils aliènent le perso, soit en leur faisant comprendre qu'ils vont gagner beaucoup s'ils en font un ami. Là, tu vas bien faire ressentir la puissance. Inversement, si l'interaction que les personnages vont avoir avec ce PNJ se construit uniquement sur un système de menace de « soumets-toi parce que je suis puissant », en fait, là, encore une fois, c'est vraiment une démonstration de force, c'est pas une démonstration de puissance. Et tes PJ, pour peu qu'ils soient pas level 1, ils vont avoir plutôt tendance à se foutre de sa gueule. En fait, qu'autre chose. Si ce n'est devant lui, ça va être en sortant. Un groupe de PJ qui level 6, 7, 8, voire plus, si ton roi, en fait, entre en contact avec eux uniquement sur le système de soumets-toi, respecte-moi, fais tout ce que je te dis ou je te déglingue, va en rigoler, va en fait essayer de d'humilier le PNJ, va aller lui poser souvent les questions qui fâchent, etc.
Parce que le groupe de PJ, ton groupe de joueurs, il se rend compte qu'il a un perso en face de lui qui ne le respecte pas, qui fonctionne à la force, mais qui n'a a priori pas grand-chose à lui apporter. Et donc c'est là qu'en fait tu vas avoir un problème parce que tu as en fait une division entre ce que toi en tant que MJ tu veux donner à tes joueurs, c'est-à-dire le respect, la sensation d'être devant quelqu'un d'extrêmement puissant, et la vision de tes joueurs qui est de se dire mais c'est qui ce gars qui vient nous insulter trois fois de suite? Le mage, il peut surcaster Fireball dans son appartement, il y a 12 gardes qui meurent. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a à m'apporter? En fait, là, ça fait 8 fois de suite qu'il me dit qu'il va me décapiter, mais je sais toujours pas ce qu'il va me donner si je travaille pour lui. Et c'est vraiment, pour moi, le truc important à faire, c'est de différencier. Je veux faire un PNJ fort et je veux faire un PNJ puissant. Les gens puissants, c'est souvent, c'est pas toujours les gens forts. En vrai. Et après, comment? Pour moi, montrer de la puissance, c'est aussi une question d'apparence. C'est là ce que j'allais dire après, quand je parlais de la langue. Moi, quand je croise un personnage puissant, je me dis qu'il n'est pas arrivé là où il est pour rien, tu vois. C'est qu'il a dû monter quelque part, à moins que ce soit vraiment un gros parvenu, il y a de grosses chances que ce type-là ait gravi les échelons lui-même par son intelligence, ouais, et parce qu'il sait naviguer dans la sphère sociale. Je préfère un PNJ puissant, qui sait bien choisir ses mots, qui sait parler, où il y a un vrai travail de registre du MJ, plutôt qu'une voix grave en mode « Oh là là, je t'intimide ». Parce que ça m'arrive extrêmement souvent, et je dois dire que... Alors, c'est très dur à faire. Moi, je ne sais même pas si je serais capable de le faire, mais disons que, pour moi, un MJ devrait tendre vers ça. Parce que quand tu arrives avec un mec qui a une voix toute malingre, mais qui te touche avec ses mots, et tu sens que le type, il n'est pas là pour rien. Et voilà. Ça, c'est important ce que tu dis, c'est registre de langue. Je sais que Flynn a eu des problèmes avec ça aussi au début, sur sa campagne. Ouais. Tout le monde n'est pas habitué à ça. Moi, j'ai pas de problème parce que je suis habitué à beaucoup changer de registre en fait dans ma vie tous les jours. C'est ce que je dis. Mais t'es habitué à utiliser un registre châtier. Même le parrain de la mafia, il va pas dire pute dans chaque phrase. Et c'est parrain de la mafia. Et en fait, a priori, quand tu vas jouer un roi, un archi-clerc, un archi-mage, il va plutôt te parler avec un registre soutenu. Il va pas te faire des ouais, machin, ouais, c'était cool. La meuf, elle était bonne à l'auberge. Ah. Après, si jamais tu le fais et que ça marche, pourquoi pas, je veux dire, c'est tout à ton honneur. Si jamais t'as un type qui est puissant, qui est intelligent, mais qui parle comme un... C'est ça, ça va être le gimmick de ce PNJ-là, tu vois, il peut clairement pas tout être comme ça, quoi. Alors, je pense à un très bon personnage de Peaky Blinders, qui c'est le personnage joué par Tom Hardy, je sais plus comment il s'appelle dans le... Tu dois peut-être savoir, Cobra. Je sais plus, enfin bref, Bref, c'est un type qui est extrêmement charismatique. Je ne trouve plus son nom, peut-être que je le retrouverai après. Mais qui a un langage extrême, un langage de chartier un petit peu, qui parle de manière très franche, beaucoup d'insultes. Et deuxième chose. C'est qui? Non, mais est-ce que tu parles dans les Peaky? Dans les Peaky Blinders, joué par Tom Hardy. C'est pas Alfie Solomon? Ah, Alfie! Alfie, c'est ça. Ouais, c'est Alfie Solomon, c'est le juif, ouais. C'est ça. Alors, en fait, il choisit bien ses mots, mais il a un registre de langage qui est très grossier quand même. Ouais. Et pourtant, c'est probablement le personnage le plus charismatique de la série, franchement. Donc, c'est possible de le faire, tu vois. Carrément, mais ça, du coup, en fait, c'est hyper important l'exemple d'Alfie Solomon que tu dis, parce que ça, tu le disais tout à l'heure un peu trusu, ça montre qu'en fait, c'est un perso qui a été vachement préparé en amont. Et même si Alfie Solomon, s'il y va à coup de ouais, d'insultes, d'énormément de jurons, j'ai l'impression qu'il y a peu de dialogues qui sont autant bossés à l'avance que les dialogues de Solomon, tu vois. Ça, bah, typiquement, il y a un dialogue dans toute la série qui m'a marqué, c'est entre Alfie et Thomas Murphy. Tommy. Tommy Murphy, c'est ça. Il dit globalement à Tommy Murphy que lui aussi c'est un méchant en gros. Il lui explique qu'ils sont tous les deux des criminels et que de toute façon, ils jouent les mêmes règles du jeu. Et il est puissant. Genre, tout le dialogue est extrêmement puissant. Et voilà. Et tu as l'impression que c'est deux hommes puissants qui se parlent en hommes puissants en choisissant leurs mots. Et c'est beau. Et coup, voilà. Ouais, mais du coup, justement, je voulais revenir là-dessus. Comment tu prépares un dialogue avec un PNJ influent? Si il n'a pas ce caractère qui est vraiment, du coup, pour le coup, un caractère à part et notable de PNJ influent qui va parler avec un langage vraiment peu châtié, s'il a
si tu veux lui donner un discours vraiment classique et très formel, comment tu vas du coup... alors, est-ce que tu prépares et comment tu prépares? Ouais, moi, alors, j'étais en train de l'écrire justement sur le résumé là de ce soir. Je conseille de préparer au moins les premières phrases, au moins l'entrée, c'est-à-dire qu'au moment où tes PJ vont arriver, au moins avoir les 2-3 premières phrases que va prononcer le PNJ décrites, histoire de ne pas commencer par un bonjour, chers aventuriers, parce que ça va immédiatement casser le truc. Et je prépare aussi les parties vraiment importantes, les moments où il va pas faire de l'exposition, mais il va demander quelque chose au groupe, en fait. Parce que la manière de demander quelque chose pour un PNJ, pour quelqu'un d'influent, de puissant, c'est extrêmement particulier. Tu demandes pas une faveur n'importe comment, en fait. Okay. Truc, j'ai l'impression que tu voulais rebondir. Ouais, moi, je trouve qu'avant même de penser à ce qu'il va dire concrètement, il faut déjà du fond. Là, on parle vraiment de forme, mais ouais. Vrai, le fond est très important parce que souvent, je vois un manquement de fond sur les personnages puissants où, en fait, les joueurs creusent, ils creusent. Et d'ailleurs, un exemple pareil ce week-end, hein, mais et en fait, au début, le personnage est menaçant. Et plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'il n'y a pas de pensée. Il n'y a rien derrière, en fait. Qui a vraiment réfléchi. Pour moi, d'ailleurs, ça se voit à la télévision, ceux qui suivent un peu les débats politiques et tout, les meilleurs débatteurs, c'est ceux qui ont un système de pensée, savent, qui se connaissent par cœur, en fait. Ils connaissent leur sujet, ils ont des références sur certains sujets, et ils sont, on va dire, ils ont fait un vrai travail sur eux pour connaître leur propre pensée. Et que ça leur permet d'être très polyvalents et très habiles en débat, tu vois. Et bah, pour moi, c'est un peu pareil avec un personnage puissant. Il faut d'abord penser un peu son système de pensée, comment il pense dans cette situation, quelle est son opinion politique, quelle est sa situation, et là, pour le coup, hors PJ. Et ensuite, une fois que tu as ça, une fois que tu sais qui est ton PNJ, tu vas commencer seulement à écrire son dialogue et comment il parle. Hyper important. La philosophie. En fait, pour moi, genre, chaque PNJ puissant doit avoir, en plus de tous les autres, donc de la backstory, de tout ce que tu vas trouver chez n'importe quel PNJ, chaque PNJ puissant doit avoir une philosophie, en fait, donnée. Et c'est ça qui va vraiment t'aider à RP. C'est-à-dire que, genre, Shivrain, il a sa philosophie. Isalea, il a sa philosophie. Kazimar, il a sa philosophie. Qui est, je te mets le coup de tête d'abord, ensuite je te pose les questions. Et c'est un peu un baron de la mafia, finalement, Kazimar. Kazimar, c'est complètement un roi mafieux. Kazimar, c'est complètement un roi mafieux. Je me suis en fait inspiré d'énormément de PNJ très mafieux. Enfin, de personnages très mafieux que j'ai pu lire, que j'ai pu découvrir, que j'ai pu voir en jeu vidéo, qui ont donné Kazimar. Kazimar, c'est vraiment l'archétype du roi mafieux qui gère son royaume de la manière que tu gères un réseau mafieux, en fait. Ouais, je vois. Et du coup, c'est ça que c'est important pour les PNJ. Ça peut être cool pour un PNJ d'avoir du coup cette philosophie, ça donne vraiment du fond, mais c'est vrai que pour le PNJ... Ça leur donne du grain, en fait. Ouais. Inversement, le prince Fernand, c'est une philosophie qui est complètement différente. C'est-à-dire que Fernand, c'est une approche qui est très émotionnelle, qui est vraiment fondée sur l'honneur, le sens de la dette, en fait, et de la reconnaissance. C'est pour ça que Fernand, il est prêt à mourir pour ses ordres chevaleresques de merde. Parce qu'il sait que c'est ça qui a fait tenir le royaume et qu'il fait encore en partie tenir, même s'il sait très bien qu'il y a besoin d'une réforme. Mais il sait aussi qu'il la fera jamais. Parce que sa philosophie, c'est pas de réformer quand il faut, sa philosophie, c'est en fait un système de dons et de contre-dons à Fernand. Ouais, ça, de dette et d'attente. De dette qui doit être remboursée, ce que ont donné les ordres chevaleresques à sa principauté, il lui en rendra en tant que prince jusqu'au dernier centime, même si là, en ce moment, ça fait que c'est plus la merde que d'habitude. Et du coup, c'est vrai que c'est vachement intéressant comme truc, parce que ça permet aussi à TPJ, même si du coup il y a vraiment cette différence de statut et de puissance du coup, de pouvoir commencer à avoir des clés sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir naviguer dans le système et comment ils vont pouvoir tenter d'en profiter par exemple. Et tu sais comment on réagit. En fait, ça c'est hyper important ce que tu dis parce que en fait comment naviguer dans le système, c'est aussi ça qui fait qu'il va y avoir des opposants. Tu t'opposes jamais à un puissant parce qu'il est puissant. Et c'était le problème qu'on avait d'ailleurs dimanche soir sur en fait pourquoi ce gars veut vous renverser, bah ça me semble évident. C'est qu'en fait tu cherches jamais à détrôner un roi ou un dieu, un archidémon, un archimage ou quoi que ce soit pour le principe. C'est toujours parce que tu vas t'opposer à sa vision des choses. C'est très rare d'avoir quand même dans un univers cohérent un personnage qui va vouloir renverser un puissant juste pour être calife à la place du calife. S'il respecte la philosophie du gars. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui veut te renverser en disant « J'adore ta philosophie, mais je préfère que ce soit moi à ta place. » Ça dépend parce qu'il y a certaines positions qui offrent des privilèges assez importants, mais il faut que ces privilèges-là soient définis et qu'ils soient vraiment, vraiment importants.
parce qu'il y a aussi l'idée que derrière un pouvoir, c'est ça, tu as la responsabilité derrière, c'est bien lourd sûr. Aussi à porter un bien pouvoir. Et du coup, il ouais. faut, si tu veux, les opposants, ils doivent être prêts à prendre le poids pour prendre la position. Donc, c'est-à-dire que ouais. la position doit être suffisamment prestigieuse, et il faut le faire comprendre aux joueurs, ça, pour que les opposants y aillent, s'ils n'ont pas de position philosophique. Donc, c'est là que je suis d'accord avec Eledril, mais je ferai quand même cette petite nuance-là. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, je ne suis pas tout à fait d'accord pour le coup. C'est que oui, tu as des positions qui donnent des avantages, mais même dans le cas en fait, des retournements dynastiques, techniquement, on n'a jamais vu un coup d'État où le gars qui a fait le coup d'État n'a pas au moins en surface dit « je ne le fais pas pour être roi, mais je le fais parce que pour moi, c'est un mauvais roi et que je serai meilleur ». À ma connaissance, c'est jamais arrivé que tous ces usurpateurs n'aillent pas au moins en surface chercher la légitimation de « moi, je vais le faire mieux, moi, j'ai mieux compris en fait les intérêts du royaume ». Même si souvent, c'est juste pour avoir le pouvoir, tu vas toujours derrière avoir cette justification, cette propagande de « c'est un mauvais roi, il n'a pas compris ». Je sais pas, ouais, c'est ça. Après, peut-être qu'il y a certains... Par exemple, on va prendre en République les partis politiques, peut-être qu'il y a certains leaders qui pensent vraiment encore... à la grande, ils se disent qu'ils seront des meilleurs, par exemple des meilleurs présidents dans les choses, mais je pense que la plupart des gens qui s'agrègent à ça et qui sont dans les partis, qui font de la politique vraiment politicienne, sont beaucoup plus intéressés par la position de prestige et de retomber. Ouais, mais, je suis d'accord, mais en fait, comme dit Hélé, ils vont toujours essayer de se démarquer. En fait, ils vont jamais essayer de dire je ferai exactement la même chose que le précédent. Ils vont essayer de se démarquer. Ils vont essayer de se démarquer, mais se démarquer pas forcément de l'exécution. C'est juste en mode, je veux être appelé calife à la place du calife, donc j'ai avancé des arguments que les gens vont préférer. Ça ressemble plus à une course, à une forme de... En mode, on va essayer de sonder les arguments et on va endosser les arguments. Donc on va se parer de ça pour arriver au pouvoir, plutôt que vraiment, je veux apporter quelque chose et ça va être grandiose tout. Ça, c'est peut-être que ça existe encore. Ça existe peut-être, mais je pense que... Je dis la même chose que toi, Intrusu. Okay. Je dis la même chose que toi. C'est juste que du coup, c'est important à prendre en compte parce que tu l'auras toujours dans les forces d'opposition. Même si je suis d'accord avec toi, dans 90% des cas, c'est vraiment pour être calife à la place du calife et que, comme je l'ai répété à trois reprises, c'est surfacique, en fait, ça. Oui, c'est ça. Mais c'est important pour donner de la cohérence à ton monde. Tes forces d'opposition, même si je suis entièrement d'accord avec toi, dans la majorité des cas, ça va être « je veux être roi parce que c'est cool, roi, quand même ». T'as jamais personne qui a présenté le truc comme ça ou sinon, tu vois... Il va être tout seul, en fait, dans sa révolution. Bien sûr. Mais en fait, du coup, c'est ça qui va vraiment donner de la cohérence à ton monde, parce que du coup, avoir la philosophie de ton PNJ puissant, ça va aussi te donner la philosophie de tes groupes d'opposition. Indépendamment de leurs objectifs personnels, de leurs agendas secrets, etc., ça va donner la philosophie qu'ils vont répandre dans la population, avec laquelle ils vont s'afficher. Et ça, l'air de rien, ça donne de manière assez facile énormément de profondeur à ton monde. Parce que construire le roi, ça te fait construire la cour, les partis autour, et ça te fait construire tous les partis d'opposition en même temps. C'est ultra cheap comme technique d'écriture. Ouais, du coup, c'est une bonne idée, selon toi, à chaque fois que tu as un PNJ influent, d'avoir une force d'opposition qui est définie quelque part. Pas forcément visible, mais si tu es PNJ veut le creuser... Pas forcément, mais c'est juste... En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en définissant le PNJ puissant, tu vas en négatif définir les sources d'opposition. Elles sont là. Tu pioches dedans si tu veux ou pas, c'est pas la peine de faire à chaque fois des sources d'opposition, mais c'est juste que tu sais que si t'en as besoin, elle est prédéfinie. C'est le contraire de ce que pense ton puissant. Bah, typiquement, Kazimar, j'ai aisément des sources d'opposition, je vais pas les piocher dedans. Fernand, donc le mec qui pense que réparer sa dette, c'est plus important que d'abandonner les dettes et de réformer, bah, en fait, la force d'opposition, tu vois, elle se crée toute seule en négatif. Le dauphin, et l'idée qu'il faut réformer et fuck l'ancien temps, tant pis les autres, quoi. Tant pis les vieux. Et là, pour le coup, j'avais envie au rebuff de faire un truc avec un système justement de coup d'état. C'était tout trouvé, tu vois. Et c'est vrai que ce fond, cette philosophie dont parlait Trusu est très importante autant que la forme. Et c'est vrai que, heureusement que t'en as parlé, Trusu, parce qu'on a tendance à beaucoup dérailler sur la forme quand on parle de PNJ puissant. Donc il parle avec une voix grave, il faut pas déconner, il faut pas lui couper la parole sinon il te smite. Mais c'est vrai que beaucoup plus important que ça, il y a vraiment la philosophie du mec. Si tu vois que le gars, il fait des trucs sans trop savoir pourquoi, sans avoir de grandes idées, parce que c'est souvent aussi à ça qu'on reconnaît les puissants, c'est que souvent t'as une vision quand même derrière, un minimum. Ben en fait, tes joueurs, ils vont vite se rendre compte que c'est une voix grave qui est très creuse à l'intérieur, et ils vont rentrer dedans hyper fort. Je pense que...
Je pensais à ça aussi. Un truc qui rend... qui fait... En fait, ton personnage influent, à un moment donné, il faut que s'il soit pas là, il y a un vide qui va nécessairement devoir se remplir par... au cours d'événements qui vont pouvoir être plus ou moins chaotiques. Il faut que il soit quand même au sommet d'une sorte de relation de dépendance, au final. Et le faire sentir auprès des gens, ça va être vachement important. Typiquement, ton tavernier local, s'il n'y avait pas ton bourgmestre, ben, il ne pourrait peut-être pas assurer son approvisionnement. Je suis pas d'accord avec ça, parce que pour moi, comme on parle de position, pour moi, c'est pas tu vas créer un vide, c'est tu vas créer un remplacement. Il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à prendre la place souvent. Parce que par exemple, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis qu'au contraire, il y aura toujours, si ton personnage n'est pas là, il y aura un vide qui va devoir se remplir. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une position à remplir. Il y aura toujours une position à remplir à ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je dis juste qu'il sera jamais pas là. Du coup, je veux dire, la position de bourgmestre sera toujours. Je veux dire, ton tavernier aura toujours plus ou moins un bourgmestre, à moins que ton village brûle. Si jamais on fait le choix par exemple de tuer en tant que PJ le bourgmestre, qui peut être un choix tout à fait décent en fonction des motivations et tout, on va pas mettre forcément dans la merde tant que ça ton tavernier, puisque probablement qu'il aura un remplaçant, le bourgmestre, qui va approvisionner le tavernier dans la semaine. Alors, il aura besoin d'un bourgmestre à un moment donné. Oui, bien sûr. Il a besoin de bourgmestre, il n'y aura pas de position de bourgmestre. Il n'y en aurait pas dans ton... Ce que je veux dire par là, c'est que... En tout cas, si tu veux jouer un personnage justement influent, donc un bourgmestre influent, il faut que cette position, elle ait un sens derrière. Si tu as un bourgmestre qui est absolument inutile dans ta ville, il sera là, il sera peut-être là, parce que par notion de tradition, de culture, etc., mais il sera pas influent. Si tu veux jouer un bourgmestre influent... Il faut que derrière, s'il soit pas là, ça crée un appel d'air, si tu veux. Et qu'une autre personne arrive, le remplace, sinon ça va créer des problèmes. Ça peut être que, typiquement, tu es dans un. Par exemple, comme au Rebuff, tu es dans une situation où tu as des menaces constantes qui viennent des monstres, qui viennent des envahisseurs, etc. Et qui fait que tu as besoin d'une certaine stabilité en termes de garde, en termes de juste de relations et de ton bourgmestre, ça va peut-être être celui qui va pouvoir demander à des supérieurs une certaine protection dans tel ou tel coin, ou pouvoir faire arriver d'autres ordres pour gérer une situation locale. Mais du coup, derrière, ce que je voulais dire, c'est que il y a cette relation de si tu veux rendre influent, il faut que à plusieurs reprises tu puisses rencontrer des PNJ qui soient dépendants d'eux d'une façon ou d'une autre. Soit que genre il y a une relation directe entre ces hommes, que ça soit qu'ils appartiennent à la même famille dirigeante, ou qu'il y ait une dette tout simplement monétaire, ou une dette d'honneur comme disait Elé, ou tout simplement une relation de protection qui existe entre les uns et les autres. Et à partir du moment où tu n'as plus du coup cette notion de dépendance, tu as vraiment une influence qui va se réduire, voire devenir inexistante. Est-ce que ça paraît... Ouais, je vois, parce que... Ouais. Oui. Non, je ne suis pas extrêmement convaincu, mais oui, je vois ce que tu veux dire globalement. C'est cette idée que il faut forcément que... En gros, si je comprends bien... ils sont influents parce qu'ils ont un rôle, c'est ça? Si jamais, en gros, leur rôle est creux, ils n'ont pas d'influence, ce qui me semble tout à fait normal, c'est logique. Mais d'un autre côté, un bourgmestre ou un roi n'est là que parce qu'il y a des gens. C'est pas l'inverse. Donc, dans tous les cas, il a un rôle, en fait, je trouve. J'ai jamais croisé vraiment de personnage qui était juste une poupée dans les hautes positions. Bah, tu peux avoir ce système-là, par exemple, dans les systèmes de... Bah, on parlait des califes à la place du calife. Ouais. Dans le système de calife et de vizir, souvent ton roi, il va avoir une certaine majesté quand même, quand même le roi, mais derrière le pouvoir effectif, ou tu vas avoir ce système là dans les sociétés mérovingiennes, ton roi il va avoir une certaine majesté, mais pas de pouvoir en tant que tel, pas d'influence. Il est juste là pour l'apparence. Mais la réalité du pouvoir est dans les mains de quelqu'un d'autre. Oui, alors, bien sûr, mais il a quand même de l'influence. Si jamais le roi, même s'il est honorifique et tout, il a pas
par, on va dire, l'histoire de son titre, par comment la personne qui l'incarne, par le symbole qu'il incarne dans la société, pour ces gens, il aura aussi du pouvoir, t'inquiète pas. Moi, la plupart des gens, ils sont pas juste en mode, on les met dans un hôtel ou dans un palais, on les oublie et c'est fini, tu vois. Si jamais quelqu'un porte atteinte à leur intégrité, si jamais quelqu'un conteste le fait qu'ils soient là, il y aura des grosses répercussions, je pense. Voilà. Ouais, mais c'est plutôt en mode, genre, une poupée précieuse, si tu veux. T'as pas envie de la perdre parce qu'elle est précieuse, et parce que t'as besoin de cette image. Mais en même temps, c'est pas une poupée qui va forcément pouvoir se rebeller. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, elle se rebelle dans le sens où, comme c'est un symbole, j'imagine qu'il y a une forme d'armée qui doit la défendre. Si jamais elle décide que ça... Je sais pas, il y a peut-être pas de pouvoir exécutif, mais pour moi, il y a quand même une forme de pouvoir là-dedans. Je sais pas. J'ai du mal à voir le point... Mais en fait, il y aura pas une absence de pouvoir, si tu veux. Je pense qu'il y aura toujours moyen, d'une façon ou d'une autre, de faire tirer des ficelles, si tu veux. Mais elles seront beaucoup plus limitées que si tu parles à la réalité du pouvoir qui est derrière. C'est un peu comme... c'est typiquement, genre... C'était ça aussi au Japon pendant très longtemps, le système de... tu vas te faire en sorte de vraiment protéger à fond ton empereur, pour cette apparence du pouvoir soit toujours maintenue. Mais derrière, genre, il va y avoir des ficelles qui vont être tirées dans tous les sens, et ton empereur, il n'aura jamais le moyen de faire un décret disant, ben, par exemple, ceci devient noble. Tu vois. Ouais, après, pour moi, il n'y a pas qu'un seul... Enfin, dans un système politique, il n'y a jamais une seule personne qui a de l'influence. C'est un peu, à mes yeux, l'empereur aura toujours une forme d'influence, ne serait-ce que dans le fait que si jamais tu lui manques de respect, tu peux te faire smite. C'est un peu l'idée quand même, c'est que ça reste par le symbole qu'il incarne, il a pour moi de la puissance, même s'il y a d'autres ficelles qui sont tirées. Par contre, le type qui est trois échelons en dessous, qui manigance et qui a plus de pouvoir politique, il est tout aussi influent pour moi. Ou alors il a sur un spectre d'influence, il en a aussi. Je veux dire, c'est pas genre t'as un type qui est au sommet, qui a du pouvoir et tout le reste, c'est à ses pieds. Par exemple, on l'a vu sur la campagne de d'Eledril, Fernand, il n'a pas tant que ça de pouvoir. Enfin, c'est beaucoup Eldwyn qui gère les trucs derrière, tu vois. C'était, vous l'avez. Vous l'avez tué deux fois. je veux dire, voilà, je prends l'exemple, les moments où il était encore en vie, c'était un système politique qui était quand même. L'exécutif était quand même vachement, je dirais, pas Eldwyn, il y avait le système d'information. Pseudostrat qui dit un truc hyper intéressant dans le chat, c'est qu'il dit en fait, il faut différencier la fonction du rôle. C'est-à-dire que. Bah, en fait, ce dont parlait Flune, c'est beaucoup la fonction. Et typiquement, Fernand, il avait une fonction en fait, de puissance. C'est-à-dire qu'il représente certaines choses, il a ce pouvoir de représentation. Et en fait, il va tenir sa puissance de la fonction. En soi, le rôle exécutif, dont justement là tu parles Trusu tout de suite, c'est vrai qu'il était tenu plus par les conseillers, notamment par Eldwyn, à ce moment-là. Mais souvent, en fait, rôle et fonction, c'est des types de puissance qui vont cohabiter. Ouais, mais c'est ça, mais je veux dire, dans tous les cas, les deux, Fernand et Eldwyn avaient du pouvoir dans leur sens, ouais. Et ils étaient tous les deux influents. Et je pense que dans le système politique et qui était pourtant une royauté, donc royauté, c'est déjà, t'as un type au-dessus quand même, normalement. T'avais déjà plein de types qui avaient de l'influence dans ce système-là. Ouais. Après, dans le cas du rebuff, il me semble quand même que, genre, si le prince Fernand voulait que certaines choses soient faites, il allait trouver d'une façon ou d'une autre le... À part si ça allait totalement contre les ordres, tu vois, et que ça, à part si c'est une rupture dans la tradition, il était capable quand même de certaines choses. Il pouvait. Bah ouais, non, mais il, ouais, pouvait il pas, était capable de certaines bon. Choses. Après, c'est pour ça, il passait beaucoup par la validation d'Eldwyn quand même. Et Fernand, en fait, il avait surtout du pouvoir dans la mesure où, s'il y avait un problème, il pouvait compter sur ses ordres qui lui sont vraiment soumis à cœur et à raison. Et en fait, il avait du pouvoir à travers son réseau, Fernand, de chevaliers. Là où Eldwyn, il avait du pouvoir dans la mesure où c'était lui qui avait les sceaux de la chancellerie et c'était lui qui validait tous les décrets. Qui avait l'information en plus. Eldwyn avait l'information. Et là, il avait l'information, tout à fait. Il était dans l'intelligence, voilà. Il avait l'intelligence. Donc c'est... J'ai du mal à voir le système de dépendance, puisqu'en fait, tout est interdépendant dans le système politique. Et même... Techniquement, Fernand, il va avoir une relation d'interdépendance avec ses ordres qui va du coup donner de l'influence à son personnage. Et ce type d'influence, un type d'influence sera défini. Tandis qu'Eldwyn, lui, il va avoir un autre type d'influence, un autre type de dépendance, du coup, qui va être propre et qui va permettre d'ailleurs de cerner le personnage dans comment il va agir et comment il va pouvoir impacter sur ton monde. Yep, j'ai du mal à voir, ouais. C'est vraiment ça, c'est si la personne disparaît, il n'y a pas tant que ça de manquement. Pour moi, c'est pas la personne, mais c'est la fonction. Mais, ouais. Alors, bah, juste, en fait,
Rôle dans ce cas-là. C'est-à-dire que je pense que Dispossessed Strat, c'est. T'as des personnes qui vont disparaître, il y a juste un rôle à remplir, et là n'importe qui peut le faire. Et t'as des personnes qui vont disparaître en laissant partir une fonction. Et par exemple, c'est ce qui vous est arrivé dans le groupe avec Tianor, par exemple, ou Maka. Parce que Maka et Tianor avaient beaucoup plus qu'un rôle de druide et de healer, en fait, à ce moment-là. Ils avaient une fonction de ciment au sein du groupe. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu un gros trou à la mort de Tianor. Parce que t'as pas juste un rôle dans le groupe qui a disparu, t'as une fonction qui a disparu aussi. Bah, Tianor, c'est très particulier. Mais là, on parle des PJ, mais Tianor, pour le coup, avait fondé son... Et c'était extrêmement intéressant, je l'ai beaucoup parlé avec Ectosis. Le fait qu'on ait eu autant un manque quand il est parti, c'est que justement, il a créé sa dépendance, notre dépendance à lui, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est rendu utile pour pouvoir asseoir sa puissance. C'est une forme de puissance, d'ailleurs, se rendre... je pense que c'est ça, Flume, que tu voulais dire et que j'ai mis un bon moment à comprendre. C'est que si jamais tu installes une relation de dépendance, les gens qui ont besoin de toi, tu exerces un pouvoir sur eux. Et Tianor, c'est exactement ça. Quand il est parti, on était en mode, on fait quoi maintenant? Parce qu'on ne s'est pas parlé, c'est sur lui qu'on comptait pour faire tout ça. On était dépendant de ça, c'était un peu une facilité, tu vois. C'était vraiment... alors que pourtant, et ça nous permettait de tolérer le fait qu'on ne l'aimait pas dans la personne qu'il était, tu vois. C'est vraiment, on était prêt à faire des concessions parce qu'on était dépendant de lui. Et donc, c'est une relation qui était très particulière. Et si jamais on faisait une transcription de Tianor en PNJ, ce serait ça. Ce serait quelqu'un qui arriverait à se hisser parce qu'il arrive à se rendre dépendant par ses compétences. Peut-être, je vois ça comme ça. Absolument, ouais. Non, ça, je suis assez d'accord. D'accord. Je sais pas si Cobra, tu veux rajouter quelque chose toi sur la question des PNJ puissants, influents, dieu, archidiable, archimage, roi. Alors pas vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, j'écoute les conseils et je suis en train d'essayer de faire grossir un peu les infos que j'ai sur le propre PNJ actuel. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées depuis tout à l'heure grâce à vous. Cool. Est-ce qu'il y a des questions que tu pourrais poser si tu voulais relancer ce débat? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas traité selon toi? Je pense notamment à si tu... Attends. Ouais, Cobra, je demandais. Après, ce serait pas ce limite dans le sujet de comment rattraper ses erreurs, mais comment vous feriez si après une mauvaise présentation des personnages importants, vous voulez les représenter pour qu'ils réobtiennent un cachet auprès des joueurs? C'est une bonne question, ça. C'est pas une question facile, en fait. C'est très compliqué, parce que bah, les premières impressions, c'est toujours... C'est ça aussi. Je me faisais la remarque aussi, parce que une fois que t'as fait ta première impression et qu'elle a marqué et que les joueurs se sont mis dans l'idée que, bah oui, eux, ils sont tels quels et ils vont pas changer du jour au lendemain, comment faire pour pouvoir... remontrer la puissance ou... Pas la remontrer, mais la montrer tout court, en fait. Je dirais deux choses. Vas-y, Flune. Attends. En fait, il y a un joker qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est pour ça que je voulais intervenir. Qui est intervenu, d'ailleurs, dans plusieurs moments de l'histoire, c'est le cachet de... À un moment donné, son pouvoir est menacé. Enfin, potentiellement une menace, mais on verra plus tard. Et du coup, dans cette menace, dans cette situation vraiment très tendue et très exceptionnelle, ton personnage influent va montrer des qualités... va développer des qualités qu'il n'avait pas eu besoin de montrer jusqu'à présent, et ça va permettre éventuellement de le racheter. Imaginons que, par exemple, il y a une invasion, d'un necromancien qui arrive dans le royaume, et il arrive en fait, en voyant qu'il y a une urgence à essayer de tisser des liens et à mobiliser des groupes qui vont du coup par la suite lui être fidèles pour repousser cette invasion, tu vas au bout avoir un personnage influent qui va du coup avoir un nouveau cachet auprès d'une part des autres PNJ et aussi éventuellement tes PJ s'il arrive à les aider et à les considérer comme des gens utiles et du coup auquel il va pouvoir accorder des faveurs. Je te laisse du coup aller sur tes autres idées sur la question. Alors je pensais pas ce que t'as dit, donc ouais, c'est pas bête. Surtout les personnages puissants, c'est des personnes qui doivent souvent évoluer vite en plus parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités. Sinon, alors, bon, d'une part, moi je vais te dire de, comme on a dit, préparer le début des rencontres. Si ça n'a pas été fait, je pense que tu peux faire en fait en sorte que ça devienne une ressource. C'est-à-dire que, par exemple, si ton personnage puissant s'est montré très très con
et qu'il a été capable de répondre à aucune question de tes joueurs, ça peut avoir été un moyen pour lui de tester le groupe d'une certaine manière, en ne laissant pas paraître que c'était quelqu'un de bien informé, et ensuite construire, vraiment de construire de la narration autour de ça. C'est pas évident à faire, par contre là je dis ça peut être très casse-gueule, mais tu peux réussir à t'en tirer comme ça, parce que justement, faire croire à autrui qu'on est quelqu'un de faible, qu'on est quelqu'un de bête, qu'on est quelqu'un de grossier, en tant que puissant, ça peut aussi être une manière de... comment dire... de les manipuler, en fait, pour obtenir certaines fins. De même, par exemple, bah justement, ça va nous faire la transition, je pense. Un antagoniste qui fait croire à ton... Ça se passe très mal la première rencontre avec l'antagoniste, le groupe se dit, mais c'est vraiment un gros bof, complètement con. Ça peut être un moyen pour l'antagoniste de les mettre dans un sentiment de sécurité. Alors que pas du tout, que c'est un mec brillant, ultra raffiné, et il va en fait en profiter à la première rencontre pour de nulle part les dégommer là-dessus. C'était toute la fameuse stratégie Tailin. C'est-à-dire, je fais que des natins et tous mes plans, c'est de la merde. Mais en fait, attention, c'est pour vous faire croire que je suis faible et vous vous en mordrez les doigts. Techniquement, ça marche au rebuff à peu près, non? Ça a plutôt bien marché lorsqu'ils sont arrivés au rebuff, il était assez content de ça. Mais justement, c'est un truc que tu peux vendre, c'est typiquement, je sais pas, c'est un archimage qui s'est vautré, qui a raté tous ses spells. Ça peut être un moyen pour lui aussi de faire croire qu'il est plus faible qu'il n'en a l'air, et du coup, derrière, il a une idée en tête, et là, toi, il va falloir que tu bosses sur cette idée, par contre, parce que ça va pas se faire tout seul. C'est beaucoup plus dur quand c'est pas des spells, mais quand c'est des mots, parce que quand c'est des discussions qui tournent au vinaigre, c'est peu... Moi, pour le coup, je vais te dire très franchement, j'ai pas de solution, parce que si jamais t'es... Ou à moins que vraiment... sur le long terme, il y a suffisamment d'interactions avec ces PNJ pour qu'on les voit évoluer et puis que les joueurs soient indulgents en mode bah voilà, c'est juste le MJ qui. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu si tu veux. Mais cela dit, le problème des personnages puissants, c'est aussi qu'on les voit pas souvent généralement. Tu les vois à des moments très très importants, des moments clés. Ouais. Les discussions sont mémorables. Les discussions, elles forgent ton scénario, généralement. Hein. Et tu vas les voir qu'une fois que tu as fini ta quête, une fois que ça aura bien évolué jusqu'au prochain point de pivot, tu vois. Donc, si jamais tu te foires vraiment et que tu n'arrives pas à montrer la puissance la première fois ou alors deuxième fois, je veux dire vraiment, si jamais tu te vautres à ce moment-là, je trouve que c'est compliqué. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui trouvent des trucs comme solution? Parce que moi, pour le coup, j'ai rien à dire. Bah, moi, je te dis, en fait, à part vraiment aller écrire deux paragraphes qui expliquent pourquoi il s'est comporté comme un gros connard... C'est difficile parce que alors le truc de Flynn ça marche bien si tu les vois régulièrement. Je sais que sur Flynn, sur sa campagne, il s'est bien fait ça. Il a beaucoup de PNJ puissants qui reviennent régulièrement et qui encadrent beaucoup le groupe en fait au fil de sa quête. Donc tu les vois évoluer, donc ça marche bien dans ce cas là. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, comme dit Trusu, tu les vois à des points nodaux en fait de ta campagne et tu peux pas trop remarquer d'évolution si t'en fais une. Et c'est vrai que à part vraiment construire un plot assez développé sur pourquoi tel personnage s'est comporté comme un gros beauf avec tes joueurs, tu vas avoir du mal à t'en sortir d'un point de vue diégétique. Ça se fait, comme je te dis, mais ça a demandé de te mettre à tes stylos et d'écrire. Quoi. Et puis ça reste que des jokers, c'est-à-dire que tu peux pas prendre l'intégralité des personnages influents et leur faire tout, parce qu'en fait, secrètement, ils étaient tous vachement... En fait, c'est ça. En fait secrètement, c'est un mastermind. C'est ça. En fait, il va falloir que tu sacrifies des personnages influents. Tu te dises... Ceux-là, bon, je m'en fous, ils sont pas super importants, mais ceux-là, ils sont super cruciaux pour la campagne. Ouais. Ceux-là, du coup, je vais leur faire. Et tu peux aussi avoir un gimmick de personnages influents qui sont juste. Qui est complètement beauf. Qui sont juste. Complètement à la ramasse. Typiquement, moi, j'ai un truc pour ta campagne qui est très très drôle. Tu sais, le conseil de Dalina qu'on avait. C'est entre autres deux. C'est ça. Parle. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, ça faisait un petit peu réunion par un prof. Ou... Non, pas réunion par un prof, pardon. Non, mais tu sais. Attends, parce que. Non, c'est un petit peu genre. Conseil de classe, genre t'arrives, ça fait vraiment genre un homme et une femme de pas toutes les races. C'est des types tout à fait lambda, t'as l'impression que t'es dans une réunion et genre t'arrives au milieu et ils ont pas de piquant, ils ont pas, on a pas, enfin c'était ça, je pense que tu as le même diagnostic que moi. Et du coup, on a réussi alors, on va dire, à les mener un peu du bout du doigt et ça faisait très, je sais pas, conseil de discipline ou un truc, il y avait quelque chose de scolaire dedans, tu vois. Mais du coup, c'est très drôle, du coup. Mais du coup, en vrai, là, je sais comment je vais utiliser ça. Eux, je pense que je vais les laisser comme ça, dans leur boudin, et je vais utiliser autre chose. Mais... Merci, d'ailleurs, Plume, je pense que j'utilise ta solution. Ouais, mais cela dit,
pour cela, je trouve ça très marrant, du coup, de se dire que la ville est gérée comme ça, tu vois. Genre, moi, personnellement, ça me fait marrer, ça me pose pas de problème en soi. Genre, j'ai pas besoin que ces PNJ-là soient puissants ou qui m'aient l'air puissants. Après, peut-être que dans ta campagne, c'était important, mais moi, je trouve ça plutôt drôle, du coup. Genre, d'avoir justement, de se dire qu'une ville peut être gérée comme ça, ça m'intéresse, tu vois. Ça crée un peu une sorte de, ça peut créer une sorte de, comment dire, de soulagement, genre dans une campagne où tous les PNJ ont, on aura tendance à t'écraser un peu. Ouais. C'est très intense, genre, ouais. Et c'est ça, genre avoir une ville où au contraire t'as l'impression de, toi du coup d'être en comparaison bien plus influent et bien plus à l'aise, ça peut être un, ça peut être vachement cool pour Très bonne soupape, ouais. Ça je vais noter d'ailleurs. Ouais, ça peut, ça, il faut des PNJ puissants faibles. C'est ça. En fait, non, mais c'est surtout, c'est ça. Vos PNJ puissants n'ont pas forcément toujours à être puissants. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué comme ça, mais c'est un outil. C'est ça. C'est-à-dire que pour un effet comique, mettre un bourgmestre qui est juste complètement con, c'est trop marrant en fait. Typiquement, il y a un truc qui est trop bien dans Astérix, chez les Helvètes. Je sais pas si vous avez en tête le truc avec les empereurs, enfin pas les empereurs, les consuls décadents. Où genre ils passent leur temps à détourner des fonds de leur province pour faire des fondus. Pour faire des fondus. Et genre c'est très très drôle. Genre moi pour le coup, c'est mon Astérix préféré, le Astérix et les Helvètes, parce que c'est vraiment genre ils sont tous plus ou moins corrompus. Genre c'est très très drôle. Et donc ceux-là ils ont un peu d'influence parce que voilà. En plus ils sont assez intelligents, mais leur intelligence est mise au service de leur fondu, tu vois. Et ça c'est très très drôle. Non, c'est vrai, j'ai raté. Non, mais après, ça, c'est un truc qui est important, surtout dans les grosses campagnes qui sont un peu sombres, c'est de ménager des PNJ un peu plus lumineux et des PNJ puissants faibles. Parce que, en fait, vraiment, après 60-70 séances, quand tes joueurs peuvent se permettre d'aller un peu bolos à un grand duc ou un seigneur local un peu puissant, ils sentent qu'ils ont fait une progression depuis la séance 1. Dans la gueule, c'est trop bien, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, si tous les PNJ t'écrasent tout le temps, je trouve que c'est pas forcément très agréable en tant que joueur, parce que t'as l'impression de jamais évoluer. En fait, t'as l'impression que le monde autour de toi se renforce, mais toi non. Ouais. Ça peut être frustrant. Ouais, donc en fait, je suis un très très bon MJ d'avoir mis des conseils nuls. Bah, bien sûr. C'est-à-dire que non mais ce que je veux dire en fait par là, c'est que c'est pas forcément bien parce que c'est pas ce que toi t'avais pensé à la base. Par contre, genre des fois, tu peux laisser aller, tu vois. Genre, c'est-à-dire que c'est arrivé. C'est pas dramatique, c'est pas les joueurs n'ont pas trouvé ça débile. Tu peux juste dire roll with it et c'est parti, quoi. Je vais renchérir sur ce que dit Trusu, j'allais même plus loin. Ça peut être une bonne chose. C'est pas parce que tu t'es complètement planté avec un PNJ ou un conseil que il faut se dire ah merde, c'est terrible, parce que justement Trusu a dit bah, en fait nous ça nous a bien fait marrer. Les gens ils ont passé une bonne séance, oui ou non? Bah oui. Et bah j'ai envie de dire tant mieux, et comme dit Trusu, roll with it, en fait continue là-dedans. Tu peux, ça peut être un peu dommage parce que tu prévois de faire un. Imaginons, tu prévois de faire un roi qui est ultra puissant et en sortant, les joueurs se retrouvent tous à 10 minutes à pied du palais et font. C'est un gros con quand même. Ah ouais, putain, c'est vraiment un gros con. Et tous éclatés de rire, tu vas. Ok, tu vas dire 10 secondes, bon merde, j'ai raté mon truc. Et là, tu vas regarder ta table, s'ils sont en train de se marrer, bah tant mieux et tu continues dans la lignée, quoi. C'est pas la peine de partir en. Hey, faut que je rattrape le coup, on va entièrement le retravailler, on va faire un truc super imposant, super badass. Pas forcément. Tant que c'est drôle et que ça fait marrer ta table, let's go, j'ai envie de dire. Après, si tout est PNJ puissant, ta table est pliée de rire, t'as peut-être un problème, et encore, c'est même pas sûr. Si ta table trouve ça marrant que tous les puissants de ton monde soient complètement claqués au sol, bah tant mieux, et on continue la campagne là-dedans, quoi. L'important, c'est que la table passe un bon moment. Si avoir des puissants éclatés au sol, ça les fait rire, j'ai aucun problème, personnellement. Je pense qu'au bout d'un moment, ça serait quand même un peu lourd. Je te dis, ça dépend vraiment de la table. Quand, ouais. En vrai, campagne 1, à part le roi de Grande Égide, ils étaient tous clacax. Hein. Et puis ça dépend de ton PNJ aussi. C'est-à-dire que, comme on a dit, c'est des personnages ponctuels, c'est des personnages qu'on ne croise pas souvent, donc c'est pas grave si t'as un gimmick, tu vois, qui revient. C'est pas lourd parce que tu le vois pas toutes les sessions, normalement. C'est ça. Puis même si tu vois toutes les sessions, tu sais, tu peux faire même un conseil de ville qui est géré par des putains de forains. L'intérieur, c'est le carnaval, il y a des chiens qui sont en train de sauter dans des cerceaux en flammes au milieu du conseil. C'est le gimmick du truc. Et tes joueurs, ils vont avoir envie d'aller faire tous les conseils de ville. Parce qu'il y a un stand de barbe à papa à côté du bureau du maire. Et on s'en fout. Je veux dire, qui a fait ça dans une campagne? Personne. Vas-y,
avec je veux sa campagne. mais j'ai aucun problème. J'ai trouvé une petite ville genre paumée au milieu de la Désia. Où le conseil, c'est littéralement une fête foraine et on est parti. vous aurez vu ça dans aucune campagne. Donc moi je dis, tout le monde y gagne. Exactement. Du coup, en parlant de fête foraine, je pense que ça fait une bonne transition avec la deuxième question de ce soir, qui sont les antagonistes. Ouais, très bon antagoniste. Ah ouais, pas mal. Attends, j'avais un truc si tu veux te prévu en transition, si tu veux. C'est que... quand vous avez des personnages influents qui comment ont des ça, faiblesses... Comment ça, c'était pas bien, mon truc. Parfait, c'est pas grave. Flune, vas-y, je t'en prie, rattrape ma mère. Quand vous avez des personnages influents qui ont des faiblesses, ça peut être également un moyen pour un BBG, pour un antagoniste, de s'infiltrer et du coup de commencer à instiller doucement mais tranquillement son poison. Et comment, du coup, faire ressentir cette menace qui commence à faire planer sur votre monde, sur vos PJ et sur ce à quoi vos PJ tiennent? Comment faire en sorte que cet antagoniste soit pris au sérieux et soit pas juste l'énième conseil de ville avec ses bêtes de foire dans son salon personnel? Comment faire en sorte, du coup, que cette menace soit réellement menaçante? C'est beau. Alors, avec moi ce soir pour en discuter, sont Flune, Cora, Trusugal et moi-même Elendril. Alors, je suis bien content de vous retrouver. Non, j'étais obligé de faire quelque chose de propre après cette transition, Flune. Déjà, deux mots pour poser le sujet. On a déjà fait plusieurs dernières discussions sur les antagonismes. C'est un des sujets qui me passionne en écriture. Pour aller vite, c'est quoi un antagoniste? Vous avez c'est deux minutes. Méchant. C'est le méchant. Mais non, putain, ça sert à rien. Bon, on va devoir le refaire. C'est le méchant. Je pense qu'on pourrait revenir déjà à ce qu'on avait dit un peu sur les PNJ d'influence. C'est-à-dire que les PNJ très influents ont une philosophie. Attends, mais c'était pas une blague. C'est quoi un antagoniste? Parce que si vous me dites le méchant, moi, ça va pas m'aller. Non mais du coup, j'allais dire, c'est du coup quelqu'un qui va s'opposer dans son esprit et dans sa philosophie à un peu l'idéal qui va être présent généralement dans le royaume. Genre, typiquement, si vous avez un royaume qui est un royaume fondé sur l'ordre et sur la sécurité, votre antagoniste c'est quelqu'un qui va s'opposer à cet idéal d'ordre, va plutôt vouloir quelque chose de beaucoup plus anarchique, ouais. beaucoup plus libre, et qui va menacer les fondements finalement de votre royaume. Ok. À mes yeux, c'est beaucoup plus lié au groupe que lié au royaume, parce que tes antagonistes peuvent changer en fonction des changements de compagnons de ton groupe. C'est de base, on reste dans un truc narratif basé sur un groupe de PJ. C'est ça le jeu de rôle. Antagoniste, c'est quelqu'un qui est contre toi, donc contre ton groupe de joueurs. Ça peut être un conflit d'intérêts, ça peut être un conflit philosophique, ça peut être un conflit, ça peut être plein de types de conflits différents. Et donc, on parle. Généralement, on dit un antagoniste, c'est juste. Moi, j'avais défendu ça à ce moment-là, c'était juste quelqu'un qui est contre toi. Mais on avait dit qu'un antagoniste avec un grand A dans un jeu de rôle, c'était vraiment la personne que tu poses comme l'ennemi final, parce que c'est un schéma de jeu de rôle qui. Enfin, même juste scénaristique de base, hein, dans beaucoup de films et tout, t'as ça. Et en gros, c'est. Celui que tu rencontres, celui que tu vas rencontrer, celui que tu vas rencontrer à la fin, et qui va structurer toute ta campagne et qui va te faire ton scénario de A à Z. Tu vois. Je rajouterais la question de la philosophie dont parlait Flume, parce que c'était comme ça que justement j'avais différencié méchant et antagoniste. En fait. J'ai dit, ça peut aussi être un conflit philosophique. C'est pas que des intérêts, ça marche aussi. Mais tu peux avoir un antagoniste avec un petit A qui va s'opposer à toi. Ponctuation présente ponctuellement, mais derrière tu vas pouvoir te rendre compte que il va pouvoir potentiellement être utile et ça va devenir une sorte d'allié peut-être de circonstance ou permanent. Je vois qu'il y a quelques petites choses qui sont restées de la soirée qu'on avait faite dessus. J'aime bien la définition que donne Pseudostrat, qui est assez synthétique. Une force motrice continue ou temporaire, contraire à la force motrice que représente le groupe de héros. Ouais, c'est ça. C'est beau, bien joué Pseudostrat. Et du coup, il faut,
Gigachad. Ah c'est clair, non. Flune, tu voulais dire. Du coup, il faut... Et je pense que il faut que, quand tu crées ton BG, que tu réussisses à faire un personnage qui n'a aucune chance de... ou la moins de chance possible de pouvoir s'aligner avec l'héros. Si tu veux vraiment en faire, du coup, un antagoniste avec un grand... C'est-à-dire que, genre... Si c'est juste que, genre... si c'est un antagoniste qui a une différence avec ton groupe, qui est purement... superficiel et qui peut changer de tout au tout. Ah, si tu l'avais prévu comme étant ton grand héros de fin et qu'au final, genre, tu te rends compte que. Ton grand méchant de fin et qu'au final, tu te rends compte que. Quand c'est ouais. l'héros de la fin de ta campagne. Ça va pouvoir, de toute manière, toujours être possible. Hein, tu vas toujours avoir des groupes un peu chaotiques qui vont changer la table. Mais si tu veux essayer d'avoir ce grand héros, essayer d'avoir un truc qui soit à l'opposé de tout ce que individuellement les PNJ peuvent représenter, c'est plutôt utile. Du coup, on a reposé ça, je vous envoie sur comment créer un antagoniste, qui est disponible sur notre Discord en fiche synthétique, rédigé par mes soins il y a quelques mois de cela. Sur le YouTube aussi, logiquement. Et sur le YouTube, tout à fait... N'hésitez pas. Que tu gères avec Chagar, tout à fait. Monsieur Réseau Social, merci d'être là. Et merci pour ce que tu fais. Toujours un plaisir. Putain, c'est bon. Deux manières de rendre crédible l'antagoniste, comme pour tout individu, par des actes, par des paroles. Alors, selon vraiment les cas de figure, on peut avoir les actes avant d'avoir les paroles, ou les paroles avant les actes. Je vous laisserai commencer par ce qui vous inspire le plus. Moi, je dirais qu'il y a aussi la réputation. Après, est-ce que tu considères que la réputation vient... ça, en fait, pour moi, c'est un dérivé des actes. C'est-à-dire que les actes que fait l'antagoniste vont lui donner cette réputation par laquelle vous allez peut-être entrer dans ce... Je voulais juste préciser le point, je me disais bien que... Tu as raison, tu as entièrement raison. Flune. Alors, j'avais pensé à quatre traits, alors il y en a sûrement plus, qui peuvent... C'est numéroté, ça va, vas-y. Du coup, tu vois, la menace, elle va être constante. C'est-à-dire qu'elle va avoir une influence régulière sur le monde dans lequel tu es. Elle va être... Donc premier point. Deuxième, elle va être impactante. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va influer sur ceux auxquels les PNJ tiennent. Si c'est juste si ça veut juste avoir un impact sur un royaume très lointain, tes PNJ vont n'avoir rien à voir à faire. Elle est inarrêtable. C'est-à-dire qu'il y a des efforts visibles qui sont faits par des PNJ, donc pas par les PJ, pour le contrer, mais qui n'y arrivent pas. Donc, ce qui montre qu'il y a vraiment que les PJ ont vraiment besoin d'être impliqués pour pouvoir arrêter la menace. Sinon, il va y avoir un problème. Et enfin, elle est puissante, c'est-à-dire que les PJ n'ont, selon le type de campagne, pas les moyens immédiats de la contrer. Ils peuvent avoir des premières rencontres, que ce soit par des informations ou par une rencontre physique directe, qui tournent mal, ou alors qui sentent que si jamais elle était que ça représentait une plus grosse partie de cette menace, ça serait mal tourné, et qui fait dire aux PJ, on a besoin de se préparer, surtout que là, il faut qu'on prenne au sérieux. Oh, les go, je suis content, mais moi, mon antagoniste de ma campagne répond aux 4 points, à peu près. Ah, très bien. Let's go. Parce qu'en plus, on le connaît pas encore, ton antagoniste. Bah, en soi, vous avez des signaux à peu près tout le temps, c'est l'oubli, en soi, l'antagoniste. Hein. Si tu vois pas avancer sur la carte, je fais plus rien pour toi. Mais c'est un concept, je veux dire, on n'a pas un bonhomme avec une bonne bouille qui nous dit que c'est... Vous l'avez eu séance 1, mais ça fait le serre dans ta boue. Ouais, rajouter un cinquième point qui est optionnel, qui est un point de la connaissance, du coup. Il faut que vos PJ aient de très bonnes raisons de penser que tous les impacts de la menace sont reliés au même personnage, et du coup, que c'est pas juste des trucs un peu isolés qui se passent un peu par hasard au final. Genre que cette menace soit du coup identifiée. Ouais. Alors, pour information, les 4 points de Flune, qui s'appelleront maintenant les 4 points de... En fait, les 4 règles de la menace de Flune donnent l'acronyme suivant qui est PC. T'étais obligé de le faire. Hein. Bien sûr. Puissant, inarrêtable, constant et impactant, PC. C'est beau. Donc, dorénavant, quand on se référera sur Discord ou PC de Flune, vous saurez de quoi on parle. Vous et seulement vous. Le degré de malédiction devait être augmenté, nous sommes sur Aléa, bordel de merde. Oh, régal. On a des standards à entretenir quand même.
Bien sûr qu'on est dans l'art. Je me suis calmé sur la musique ce soir par rapport à d'habitude, en plus, vous avez remarqué. Ouais. Il n'y a pas de, de Z-Wave. Si avec ça, se voit ça, il va mettre un câble. Putain, la Z-Wave, c'est terrible. Non, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Flune. Et c'est concis, c'est clair, c'est clean. C'est propre. C'est propre. C'est bien. C'est digeste. Non, mais personnellement, j'ai pas de choses à rajouter sur comment définir la menace. Je sais pas si Truju et Cobra ont des choses à dire. Non, ça, mais c'est bon, il a coupé la chute de tout le monde, là, en fait. Ouais, bah... Oh, c'est bon, c'est fini. À plus. Bah, les vagues. Bonne soirée, du coup, en vrai. C'était plutôt cool, je dois dire que, ouais, c'était une bonne soirée. On renommera cet épisode le PC de Flume. Et ce fut la démonétisation. Une fois que vous avez établi le PC... Par quels actes, quelles paroles est-ce que vous pouvez rendre votre antagoniste crédible ? Car, j'ai déjà vu le cas, certaines personnes se sentiront peut-être concernées ici, peut-être pas. Mais rien de pire qu'un antagoniste qui arrive en disant « Alors, salut la compagnie, ouais, bref, donne-moi le bracelet sacré de Curcubatar. Sinon, je t'éclate les couilles avec ma baramine, fils de pute. » Ah, en vrai, c'est une bonne accroche. Genre, si tu joues un baron de la mafia, ouais. Si tu joues un archimage, c'est plus complexe. Ah, justement, moi, ça me ferait flipper, mais à un point, tu n'imagines même pas. C'est un archimage de niveau 20. Il arrive, il a une baramine dans la main. Il commence à te menacer de te casser. Non, mais oui, c'est ça. Genre, le mec, tu peux utiliser Fireball. Ouais, je peux le faire. Mais je préfère quand ça craque et il commence à taper. Mec, il est tout crûlant, tu sais. Ouais, s'il est niveau 20, il a même pas besoin d'une paramine pour faire casser des trucs, genre. Ouais. Ah bah non, mais c'est ça, si on a pas besoin, mais il a quand même l'utiliser. Écoute, genre... J'aime les muscles. Maquillage, ok. On en revient au match du muscle. Oh mon Ok, très bien, je note dans un coin que ça vous faire kiffer. Alors. Bon, enfin, c'est quelque chose. Ce qui est très bien, c'est que, à l'issue de ces discussions, bon, on aura le PC de Flune, ça c'est une chose. Mais en plus, on aura dans Valkynia, en exclusivité, un village dans la Désia, géré par des forains, avec un archimage niveau 20 qui. Il sera l'antagoniste. Non, c'est pas l'antagoniste, c'est juste genre un putain de mec qui casse des genoux. C'est un videur. Le mec, il a archimage de niveau 1 et c'est basiquement un videur. C'est un peu comme le trésor des tréfonds, tu vois. Tu sais pas comment il existe, tu sais pas pourquoi il existe, tu sais pas trop qui c'est que ce type. Sauf qu'en fait, bah lui, il faut juste savoir que c'est le type le plus puissant du monde. Sauf que, bah en fait, il s'est trouvé une passion pour les clés à molette et il aime casser des os avec et c'est tout. Alors, genre, bah, du coup, Benadon qui pose une très bonne question. C'est un antagoniste qui vous fait rire la première fois que vous le rencontrez. Est-ce que c'est un antagoniste raté? Ah non, pas du tout, au contraire. Là, alors, du coup, en fait, j'ai l'impression que concrètement, ça a super bien marché à mon truc de merde. Non, alors, au contraire. Non, mais moi, en vrai, j'ai envie de donner l'exemple. Bon, il fait pas forcément rire, mais l'exemple de One Piece avec Barbe Noire qui est, où l'équipage le rencontre à un moment donné et il s'amuse bien avec et tout, il boive des coups. Et au final, c'est un giga enculé. Mais ça, on se rend compte bien plus tard. Bah, voilà. Après, pour répondre à la question plus sérieusement, je pense que ça dépend beaucoup de ce que toi et ta table attendez, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez jouer une partie avec des antagonistes vraiment badass, qui vous allez devoir faire 20 séances avant de pouvoir les surmonter, peut-être 100, si la première rencontre, elle fait marrer tout le monde, ça peut être gênant. Après, ça peut être un moyen, ce rire, de commencer à créer de l'attention entre la personne et le groupe aussi. Parce que si t'as un groupe de pélos niveau 2 qui sont en train de se foutre de la gueule d'un archimage parce qu'il vient de se péter la gueule dans l'escalier, l'archimage va s'en souvenir. Et c'est un moyen déjà de commencer à créer cette rivalité, en fait. Après, t'as des tables aussi où... genre, avoir un antagoniste qui fait marrer tout le monde, qui est une vraie menace pour le monde, mais qui est comique. Genre, Bozo le clown abyssal. Flune, il vient de rigoler à Bozo, tu vois. Le mec, Bozo, il va te choper, il va t'attacher et il va remplir ta gorge avec sa fleur qui balance de l'eau, jusqu'à ce que tu aies envie de mourir, tu vas beaucoup mourir, Flune. Non, mais... Tu vas attendre dormir, Flune, tu vas attendre... Non, mais... Ou alors peut-être qu'en fait, il a le pouvoir de la blague qui tue, tu vois, et dès que... C'est le pouvoir de la blague qui tue. On peut donner... Joke of Death, spell de niveau 7. On peut donner énormément d'exemples de ça peut aussi être, admettons, par exemple, un enfant, ton bébé, c'est un enfant, tu vois.
qui est sur un trône, et en fait, il a des porteurs qui l'amènent un peu partout. Le type, il sait à peine parler, en gros, tu crées du grotesque, du ridicule, ouais. Sauf que dans le concret, ce qu'il fait dans le monde, c'est que c'est un type, c'est un régent, ça a beau être un enfant, c'est genre un tyran, il tue, ouais. Il fait des massacres et tout, et en fait, c'est pas marrant sur le long terme, mais sa façon d'être, sa disposition, ça peut faire marrer en comique de situation, tu vois, ou comique de geste, enfin bref, c'est compliqué, comique de geste en description, mais c'est toujours possible. Et comment et c'est toujours possible. À la table, hein, tu sais, on y arrive. Ouais, c'est ça. Et je trouve que justement, tout à l'heure, le premier truc que j'ai dit, c'est que c'est au contraire, c'est plutôt bien. Quand tu crées du décalage, tu crées de l'imprévisible aussi, de l'imprévu. Et l'imprévu, ça peut générer de la menace, ça peut générer un petit inconfort en plus. Si jamais un personnage qui te fait marrer se trouve être le personnage le plus dangereux de ton monde, ouais. Y a un truc qui se passe, tu vois, au niveau de tes joueurs. Et je trouve que c'est si jamais t'arrives à le sortir, c'est peut-être pas facile, mais c'est cool. Ouais. Genre, il y a des gens que la menace, par exemple, ça se fait totalement con devant toi, du coup tout le groupe explose et explose de rire. Et puis du coup, quand ils rentrent dans leur maison, ils rencontrent qu'il y a juste un tas de cendres avec une note à la prochaine fois, tu vois. Ce genre de décalage là, ça peut bah, c'est le genre de truc qui peut rendre vraiment ta menace vraiment menaçante, du coup, pour le coup, genre vraiment faire en sorte que tu peux rire de ce personnage derrière, mais t'inquiète pas non plus le prendre pour un guignol. Mais en vrai, là, je viens de noter ce que vous venez de dire, je viens de noter qu'en fait un clown ou un enfant malhabile peuvent être de fantastiques antagonistes. Et là, il y a plein d'idées qui sont en train de me venir pour Valkyria, ça va être terrible. Mais en fait, l'exemple de Trusu, je trouve génial. Genre, un gamin qui a juste du mal à marcher sur deux jambes. Tu sais, qui est là avec le petit maillot marin, la grosse sucette démesurée, la casquette à hélice, et tu te dis, ouais, c'est Timmy, putain. Regarde, il vient de tomber par terre, on va l'aider, il fait un peu pitié quand même. Et là, le gamin, tu te rends compte qu'il y a un pacte démoniaque, il est capable de balancer des sorts de fous. Mais pas forcément ça. Genre, ça peut juste être un type, justement, on parlait tout à l'heure de puissance. Ouais. Un type qui n'est pas puissant par ses pouvoirs. C'est juste, admettons, il descend d'une dynastie et tout, ce qui fait qu'en fait, il se retrouve au pouvoir. Il a des conseillers autour de lui qui l'influencent et tout, ou alors il peut avoir un truc un peu comme ça. Et en fait, chaque ordre qu'il va donner avec son esprit de gosse sera en plus perverti. Et sachant qu'un enfant, c'est très violent. Et ça peut être très cool parce qu'en plus, du coup, t'as pas vraiment envie de le tuer. Ça reste un gosse, tu vois. Non, mais Pierre, il n'y a pas de pouvoir magique. Pierre, c'est que. Alors, t'as peu de chance que ce soit un gosse qui monte au pouvoir. Mais même sans en arriver là, si c'est le gamin du mec le plus puissant de ton monde, qu'on a rien à foutre de son gosse, c'est encore plus terrifiant. Parce que c'est même pas directement. En fait, tu peux même pas directement antagoniser le gamin, même si le gamin il cherche à te pourrir en permanence avec cet esprit enfantin qui peut être très flippant par moment. Tu peux même pas directement chercher à aller le dégommer. Parce que derrière, au bout d'un moment, il y a le père qui va se ramener en fait. Et t'as ce millefeuille d'antagoniste qui se construit et qui peut être vachement intéressant. C'est ça. Mais genre le cœur de ton truc, ça reste ce gamin qui est hyper goofy et qui est pourtant attirant et qu'en plus t'as pas envie de tuer, du coup c'est le point carrément. Mais qui peut dire à ses 37 gardes du corps en full plate qui veulent le morceau de jambon que ton barbare est en train de manger parce que là tout de suite il a faim, ouais, et tu lui donnes ou tu te fais péter la gueule. C'est ça. C'est terrifiant. En vrai, c'est quelque chose de terrifiant. Et c'est pour ça qu'en plus on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il a même pas besoin d'avoir des pouvoirs. Ça peut juste être un type qui par ses ordres et par ses contacts est tellement puissant que ça peut faire un antagoniste sérieux, tu vois, un vrai antagoniste. Mmh. Ah mais carrément. Oui. Du coup, la question se pose, est-ce que les Chrysanthines à 5 ans? Alors, c'est pas prévu, mais là je suis en train de cogiter un clown et un gamin. Un clown. J'ai peut-être fait un gamin clown. Non, mais tu peux faire les deux. Tu peux faire qu'en fait le clown c'est une sorte de démon qui est le putain, conseiller. Oh oui mec, le clown il suit le gamin partout. Mais oui, genre, justement, c'est genre il est partout. Et genre en fait imagine le clown même. Ça me fait peur. Genre en fait tu as le clown et en fait tu as le gamin, c'est ça. Genre il est. Non mais c'est trop bien. Je suis en train de noter. Je déconne même pas. Je suis en train de noter tout de suite. C'est trop bien. Et genre. Aujourd'hui, le 6 octobre. Duo clown démoniaque plus gamin pour égater antagoniste. Et en fait, c'est ça. Et genre, le clown, à travers ses blagues, il incite le gosse à faire des trucs terribles. Et en fait, comme le gosse, il est genre le descendant, genre du. Parce que, genre, Chrysanthine, c'est genre le dieu, plus ou moins, qui est descendu sur. Voilà. C'est genre l'incarnation du dieu. Du coup, tout le monde le suit. Donc, du coup, tous ces ordres à la con qui sont suggérés par le clown sont exécutés.
Ça me fait penser à la campagne 1 avec le roi qui était manipulé par son par bouffon, ouais, mais le bouffon et il était très sérieux. Là, je parle vraiment d'un truc démoniaque qui vient couiner dans la nuit en fait. Ouais. Personne ne l'entendra couiner, ça va être le nom du module. Personne ne l'entendra couiner. Personne ne l'a entendu couiner. Dans la nuit, personne ne l'entendra couiner. Le module d'Halloween, les gars, j'espère que vous êtes chaud. Il arrête dans 3 semaines. En vrai? Tu fais ça, non mais tu fais un petit OS. La campagne. La campagne, moi je suis chaud. Genre vraiment, ce serait un truc cool. Mais genre c'est une trop bonne idée en fait. Ouais, mais ce que dit Docrane, en vrai ce que dit Docrane, ça marche bien. C'est genre le duo d'un mec hyper faible et complètement dégénéré, accompagné par un mec hyper puissant qui suit tous les ordres du dégénéré à l'aveugle. Et en vrai, blague à part, c'est des gimmicks d'écriture qui sont souvent utilisés. Et qui marche très bien. Je sais que, je crois que c'était Christopher Perkins qui avait fait un truc justement à la base d'une dracoliche qui suivait en fait les ordres d'un feu follet. Un feu follet, genre complètement con, sorti des marais, hyper capricieux. Et en fait, genre, l'antagoniste du scénario c'était la dracoliche. En fait, tu découvrais à la fin qu'en fait le truc suivait juste bêtement les ordres que lui donnait lui susurrait le follet à l'oreille en fait. Ok, génial. Et en vrai, c'est des trucs qui marchent assez bien ça, parce que tu t'attends rarement à ce que ce soit le mec faible, la tête du truc, en fait. Ouais, en effet. Et bah, tout ça, c'est très bien, mais du coup, pour ce qui est des actes et des paroles. Ouais. Pour revenir à notre sujet de base. Ouais, c'est ça, parce que j'avais un exemple cinématographique pour ça, c'était dans Mad Max, Maître Bombe, je crois que c'est dans tu sais, le Dôme du Tonnerre avec le gobelin sur la... Ouais. Enfin, pas le gobelin, mais le type sur le dos du géant, là. Ouais. C'est un peu le même principe, mais en plus petite échelle. Mais bref, du coup, ouais, lui, non, tu disais quoi? Alors, acte tes paroles, messieurs. Ouais. Bah, il s'agit d'être à la hauteur. C'est tout, pour moi. C'est que... Alors, comment tu définis ta hauteur? Non, mais très bien, moi j'accepte. Comment tu définis ton échelle? Eh bien, les actes doivent être à la hauteur des paroles, c'est tout. Et les paroles doivent les mettre à la hauteur de ton protagoniste. Pour moi, c'est des trucs qui sont... Ouais, alors, je vois. J'ai traité différemment. Pour moi, les actes, en fait, ils doivent être à la hauteur de la menace en préfigurant le degré de menace. C'est ce que je fais, par exemple, dans la campagne, juste avant de sortir d'Imanumov, d'un truc que vous voyez, c'est un village elfique qui a été incinéré par Shivren avec toute la population. C'est que pour moi, les actes, en fait, avant d'être un truc que tu vois, c'est un truc que tu vas expérimenter après le passage de l'antagoniste. Tu vas voir les retombées, en fait. Et pour moi, ça fait vraiment partie du build-up, de vraiment la construction de ce personnage. De même que, je sais plus qui parmi vous disait qu'il fallait construire un puissant, notamment un roi, que t'allais pas déboucher devant lui, tu vas en entendre parler, avant. Et pour moi, c'est la même chose avec l'antagoniste. C'est toi? Je crois. Ok, bah super. Problème. C'était très bien. Mais pour moi, les actes, avant d'être un truc... Genre, pour moi, tu vois rarement l'antagoniste à l'action plus que tu ne suis dans ses traces en découvrant les conséquences de ce qu'il fait. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vraiment l'effet d'annonce derrière de ta menace. Tu C'est ça. Genre, si. En plus, ça fait tellement pas de sens de juste arriver devant un pauvre, un mec, genre un Pégu lambda et que le Pégu te dise bonjour, je suis la plus grande menace de ce royaume. Non, alors, genre... ça, mec, ça s'est fait et c'est un truc qui est génial, c'est volontaire. C'est dans Sacré Graal des Monty Python et deux questions plus tard, le mec prononce cette fameuse phrase: qui êtes-vous? Je suis Tim l'ensorceleur. Et il explose une montagne. Et les chevaliers font. Oh! Ça marche vachement bien, ça c'est pareil, ça fait partie de tous ces effets à la con. Et c'est vachement bien parce que je crois qu'en fait on a rarement dit autant de la merde sur la discussion que sur ce sujet qui est consacré aux gens très puissants et aux antagonistes qui font très peur à Grougrou. Ouais. On a rarement proposé autant d'idées de merde et utilisé autant... Genre quand même, les deux dernières citations qu'on a eues, c'est Sacré Graal et Mad Max. Ouais. Et Buzz. Ouais, après, non, mais voilà, je trouve ça intéressant, c'est que là on est en train de parler de comment construire des rois, des antagonistes qui font peur, qui sont puissants, et les citations culturelles du soir, c'est Mad Max, c'est Sacré Graal, tu vois, c'est que des trucs à la con. Mais c'est pas pour rien en vrai. Je pense que c'est important dans un monde, ça fait partie de la cohérence, c'est partie du fun à la table, d'être capable aussi de dire que ouais, mon archimage en fait il vit dans les montagnes, il explose des montagnes avec des fireballs, il s'appelle Tim, il en a rien à battre. Et c'est mon archimage, et il peut sauver le monde.
Mais il va falloir que tu réussisses à le convaincre, que tu l'amènes dans ta quête et tout. Et ça peut être des. Ça change des personnages dark et edgy qui sont habillés à la. Insérer chasseur de monstres numéro 57. Genre qui sont tous habillés à la Van Helsing et qui parlent tous avec une voix grave comme ça et en détachant ouais. énormément les syllabes. Genre, on veut plus de team. J'avoue. Et de Mr. Bomb. Ah oui, Astérix. Bien sûr, après Astérix, c'est une référence qui est extrêmement sérieuse. Qu'on cite plus en Cannes que Kant. Mais après, c'est normal. Non, mais c'est vrai. J'avais genre en hippo, notre prof de philo citait plus souvent Astérix que la plupart des philosophes. Mais c'est très important. Mais en vrai, c'est très important. Tu peux avoir alors de la menace. Mon prof de philo cite Tintin, mais. Mais Tintin, bien ouais. sûr. Bien sûr, ouais, mais alors... tu peux créer des trucs extrêmement sérieux avec du matériau qui est très peu sérieux. Et ce qui est incroyable avec Asterix, c'est genre à quel point il arrive à capter le réel, et essentiellement en plus le réel français, c'est autre chose, mais ouais. genre vraiment, quand tu le lis, t'as l'impression que c'est pertinent encore maintenant, tu vois, genre pourtant ça a été écrit, genre, ça a été fait, ouais. c'est dessiné il y a 30-40 ans, et genre, c'est assez insane. Mais bref, c'est pas la question, c'est un chef-d'œuvre pour une autre discussion. Mais... Ouais, mais du coup, en fait, les actions d'antagonistes, pour y revenir, on va les voir très rarement. Genre, vous allez les voir juste avant de le combattre, basiquement, mais la plupart du temps, tu vas vraiment suivre dans son sillage ce qu'il fait. C'est comme ça que ta menace, elle va se construire, selon moi. Et tu vas voir des petits rappels dans des... Soit tu vas voir comme les vierges brûlées de... Par exemple, comme pour Shivrain, ou tu vas aussi avoir des gens qui vont fuir la menace tout simplement et qui genre vont en parler genre ouais. C'est des sources de premier rang qui ouais. l'ont vu qui sont en train de flipper sa race, c'est un mode putain mais qu'est-ce qu'il y a avoir des PNJ qui répondent la légende de l'antagoniste, est-ce que ça c'est important ouais. ouais surtout c'est des personnages qui sont relativement puissants ben, qui ont la force de base tu vois genre ouais. si t'as ton paladin genre qui est en train de pisser dans son froc parce que genre qui est en train de se raconter genre ce qu'il a vu derrière, ça commence à dire ouais, je vais peut-être pas y aller comme ça non plus. Je vais peut-être ouais. pas aller lui dire bonjour comme ça avant un antagoniste. Vraiment avoir des sources de première main et éventuellement des sources qui soient ben, sérieuses, qui te parlent de ce truc-là, ça peut être un truc. Ou même des rumeurs, genre des rumeurs qui peuvent être plus ou moins vraies, genre ouais, genre ton antagoniste, il a déjà il a rasé un pays entier, on a fait un truc de zombie, bah, genre c'était pas forcément vrai. Mais... Typiquement ça, je l'ai beaucoup exploité sur Strahd, parce que en fait Strahd quand ils arrivent en Barovie, il y a un truc qui marche très bien, c'est de leur dire qu'en fait Strahd il a des cornes qui volent, qui crachent du feu, des trucs de fou. Et tu sais c'est des villageois, donc c'est des mecs qui ont surnommé Strahd le diable de Barovie, et personne quasiment l'a vu, tout le monde sait qu'il existe, et t'as des histoires de fous qui circulent bien évidemment. Et c'est vrai que ça construit énormément le mythe et énormément le rapport à l'antagoniste, ces histoires-là. Parce que c'est très différent de leur dire qu'il a des cornes, que ses yeux brillent rouges dans le noir et qu'il peut cracher du feu vert, que de leur dire que c'est un vieux pélo qui se balade avec une cape qui est généralement sale, une canne et des bottes, qu'il est comme tout le monde, qu'il a des oreilles pointues et des crocs un peu longs, et que c'est littéralement le Gus lambda à ceci près que c'est le seigneur local, quoi. Ça a pas du tout être le même rapport à l'antagoniste, quoi. De même, en fait, genre Shivren, c'est pas pour rien que j'ai décidé de vous faire rencontrer à travers les villages d'Imanomov cramé, que à travers Isalé, qui vous dit « Ah non, mais en fait, on a fait la même promotion. » Genre, je le connais bien, et on allait aux soirées ensemble. Tu vois, c'est le même personnage, mais c'est juste que la manière dont tu vas le présenter en premier va le construire très différemment dans le regard de TPJ. Encore une fois, la première impression est légèrement déterminante là-dessus. C'est ça. Toujours. Après, comme on disait, hein, genre si derrière, genre il a cramé un village entier, mais que derrière, genre il se fait pouiller par des paysans sur un champ de bataille, ça va pas le faire. Il faut vraiment, comme on le disait, que genre les rumeurs ne viennent pas de n'importe où et que la puissance du personnage puisse se faire témoigner. Ouais. Avoir des témoignages répétés de ce même degré de puissance de ce personnage. Pour pas justement, d'une part, ne pas vous faire oublier au PJ qui vous avez affaire, et en plus, pour lui assurer une certaine cohérence. Mais comme j'ai dit à Pseudostrat, qui dit qu'il faut faire monter le fantasme, un bon antagoniste, on pourra prendre 10 000 métaphores culinaires, c'est comme une béchamel, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle prenne, en fait, dans ta casserole.
Parce que, en fait, si tu la laisses toute seule, ça va rester liquide, ça va être de la merde. Et si tu touilles trop, si t'en fais des caisses sur ton antagoniste, ça va vraiment devenir une brique. Et tes joueurs vont en être dégoûtés avant même de l'avoir rencontré. Tu me parles beaucoup de béchamel, Elidril, depuis qu'on se connaît. Écoute, les sauces blanches, c'est très bien. je crois bien. La béchamel, c'est, on la trouve dans s'il l'Italie plaît, pontificale du XVIe siècle, mon gars. Faites ça, faites ça en stream, s'il vous plaît. C'est une passion. Ok. Une relation tous les deux. Quand même. Oh, bref. Vous dites ça, monsieur, car vous n'êtes pas cuisinier. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup trop de sauce blanche et même sans avec ceci, c'est quand écoute, même. Écoute, Flune, quand tu cesseras de présenter ton PC au chat, tu reviendras, d'accord. Alors, par les actes, vous m'avez dit des choses très intéressantes. Pour ce qui est des paroles. Alors, on revient un peu à ce qu'on dit tout à l'heure, pour moi, ouais. c'est pareil. Ça reste un langage de personnes puissantes. Ouais. Donc, avec le fond, la forme. La forme, bah, c'est ça, il faut bien la choisir pour que on n'ait pas l'impression que ce soit. Que ce soit un sec pas quoi, genre il faut que ce soit. Voyons, un peu d'inclusivité. Oui, c'est vrai, ok, bon. Ça, disons que ça peut être un sec pas, mais il faut que le sec pas ait lu quelques livres. Mais voilà, et ça marche. Je sais pas, en vrai, moi je reviens à la question du gamin de tout à l'heure, genre le gamin qui arrive à peine à parler le commun, mais qui est capable de littéralement snap ses doigts et tu disparais. C'est pas faux. Je le trouve bien plus flippant qu'à Chivraine ou qu'Unizale qui sont très éduqués. Hein. J'ai c'est parfois plus peur de Kazimar que de Chivraine, personnellement, sur Valkyria. Et c'est lui le MJ. Donc ça veut dire que nous, on doit avoir peur. Ah ouais, donc Kazimar, il a ses bons jours, il a ses mauvais jours, et c'est la roulette à chaque fois avec lui. Chivraine, tu sais plus ou moins qu'il va te cramer. Tu sais à quoi t'en tenir. Le truc du perso qui est vraiment capable de snap, c'est quelque chose que, humainement, j'ai toujours trouvé terrifiant, en fait. Parce que, tu sais, t'as vraiment un côté bestial, en fait, derrière. Un côté imprévisible aussi. Si bah, c'est vraiment ce côté imprévisible en fait qui fait peur. C'est que ton nécromancien qui va te buter, te relever sous forme de zombie et utiliser ton zombie pour buter tes potes, ça fait peur, mais tu sais ce qu'il va faire. Le mec qui arrive, qui peut aussi bien te serrer la main que te mettre un immolate dans le visage, tu vas être terrifié à chaque fois que tu vas le voir apparaître à 300 mètres de toi. Non, je sais pas. Pareil, le truc du gamin. Qui peut te faire hey, j'aime beaucoup ta robe, elle est jolie, et partir. Ou dire à Bozo, le clown démoniaque de la GN, détruis-les tous, Bozo, j'ai pas leur regard. Et Bozo, il fait d'accord. Il va commencer à te planter des carottes en plastique dans l'œil. Mec, flippant. T'as l'air d'adorer Bozo et Timmy, genre vraiment. Putain, mais Bozo et Timmy, mec, c'est. Genre, c'est le mélange de la curse et de la curse. Et ça a fait une espèce de gemme sombre. 3 ans de jeu de rôle pour aboutir à ça, c'est le... 50 jeux de rôle pour aboutir à ça. 50 mec. Jeux de rôle, pardon. C'est 50 jeux de rôle pour aboutir au couple parfait, mec. Je suis embauché par Wizard dans 3 mois, gars. Je voudrais pas décevoir, Christopher Perkins, il va faire... ouais, non, mais Bozo, il est pas mal, mais Timmy, faut qu'on en parle, gars. C'est terrible. Non, mais tu vas avoir un rendez-vous chez le psychologue, ils vont avoir peur, genre, toi, tu... Les aventures de Bozo et Timmy dans les Fortress of Ruins. Double extension de D&D. C'est terrible, ah mon dieu. C'est terrible. Mais ouais, non, mais en vrai, blague à part, moi je pense que les paroles, c'est encore une question de cohérence, mais tu peux avoir un antagoniste qui s'exprime très mal, et qui, si c'est cohérent avec son personnage, pour moi ça peut passer sur la ménage. Je sais pas ce que les autres en pensent. Ouais, du coup, t'as raison, oui. En fait, il faut pas qu'un système de désacralisation, c'est-à-dire que genre, t'as ton personnage qui est... Bah, dont tout le monde dit qu'il est vachement élégant, etc. Et qu'à la fin, on va dire « Ouais, je suis pas là !» Tu vois, genre, un truc qui soit... « Mademoiselle charmante !»« Wesh, mademoiselle, ton père est un voleur. Il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. » En vrai, tu aurais dit « Dans mon cœur, ça aurait rimé. » Ah, mais non, mais justement, oui, mais c'est le but Rugis, c'est que ça doit rester de la merde. Oui, mais non. Mais ouais, c'est en fait, si tu vends ton antagoniste comme super badass et super edgy, et qu'il arrive en mode ouais, alors non, mais s'il vous plaît, donnez-moi le collier légendaire, parce que sinon, j'ai tous vous buté sa mère, quoi. En fait, t'as. C'est l'incohérence. Je suis pas gentil. Je suis pas gentil, wesh. Allez, let's go.
Octogone. Je suis trop un gangster. Ah, je suis gangster. Ouais, si tu vends ton antagoniste comme étant une puissance maléfique, quelqu'un de, genre, encore une fois, sombre, un peu NG et tout, et qu'il arrive en mode oh, everybody gangster until Shivren is here. Quoi? qui se met à danser, tu sais. J'en sais, j'arrive comme ça. Et je dis, mais genre, c'est quoi cette table? Dans quoi je me suis engagé? Est-ce que je peux encore annuler ma participation? Alors que, après, inversement, encore une fois, tu peux dire, genre, la province entière, elle est terrorisée par un gamin qui est complètement teubé. Tu sais, c'est Timmy. Elle est terrorisée par Timmy, mais il a trouvé, on sait pas comment, des pouvoirs. Et tu sais, t'as un épisode des Simpsons, d'ailleurs, qui est une parodie de ça, où t'as Bart qui obtient des pouvoirs démoniaques qui lui permettent de lire dans l'esprit des gens et de leur faire subir les transformations qu'il veut, magiquement. Et ça devient un truc ultra flippant, parce que, en fait, genre, quand il monte dans le bus, t'as le chauffeur du bus qui fait « Salut !» et qui pense « Attends, mais c'est le gamin un peu chelou avec les pouvoirs starbés, ouais, faut que je fasse gaffe, genre ce gamin, il me terrifie. » Et il le transforme immédiatement en canard. Et c'est un truc qui est vraiment flippant, tu vois. Ça peut totalement coller, mais c'est vraiment une question de construction qu'il y a derrière. Je vois Trusu qui est encore en train de se demander ce que je raconte, tout de suite. Non, je suis en train de penser à la rime de tout à l'heure avec le cœur. Putain, Trusu. Non, genre, je suis en train de me dire, mais attends, parce que, je reviens dans le contexte. J'ai un pote qui fait tout le temps des phrases comme ça et j'ai complètement bugué sur celle-ci. J'étais en mode, mais attends, comment l'optimiser? Je suis désolé. Comment l'optimiser? Bref, du coup, oui, tu disais Simpson, ouais, avec le canard. Mais oui, en fait, genre, c'est vraiment une question de cohérence avec le perso. C'est que ton perso, il peut très bien arriver en faisant du rap un peu chaud, tu vois, mais faut qu'il soit construit comme ça, en fait. Et c'est une espèce de barde qui a tourné mal. Et ça peut être très intéressant. Voilà. Mais ça dépend vraiment de la manière dont tu le vends à tes joueurs, en fait. T'as un cas exceptionnel qui est le cas de la bête de Khajar Madog. Où du coup, tu vends ton personnage comme étant extrêmement terrifiant. Il arrive, je dis, paraît ultra anodin. Et là, tu te rends compte derrière qu'en fait, oui, la menace, elle est vraiment réelle et qu'il est terriblement terrifiant. Alors, il parle du lapin de Khajar Madog, surnommé le lapin tueur de Sacré Graal, hein, par les Monty Python. Ouais. Mm-hmm. Ok, c'est bon, je vois. Ok. Mais ouais, ça, c'est vrai que c'est un truc que de tu nom, peux faire. J'avais c'est pas dire, la c'est un de truc nom, mais maintenant. Ultra puissant, le présenter comme complètement teubé et en fait montrer qu'il est ultra puissant et maléfique. Faut vraiment jouer dessus. Pour moi, en fait, au niveau des paroles et du comportement de l'antagoniste, il n'y a pas de secret. Il y a une règle à connaître, c'est qu'il faut beaucoup s'interroger dessus pour le maîtriser et être capable de jouer avec. Tu peux présenter un antagoniste badass et en faire un antagoniste badass. Tu peux présenter un antagoniste badass et en faire de la merde. Le lapin de Khajar Madog des Monty Python. Tu peux présenter un antagoniste de merde et en faire un truc putain de badass. Pareil, il y a plein de scénars, il y a plein de films, il y a plein de jeux vidéo, de livres qui fonctionnent là-dessus, en disant ouais, non, mais c'est un truc de merde. Tu comprends pas trop pourquoi il terrifie tout le monde. T'arrives devant, tu dis vas-y, je vais te péter les genoux. Et tu te rends compte que t'es face à une monstruosité spatiale que t'avais pas du tout calculé, qui commence à te soulever. Et t'as un effet qui est hyper intéressant. Mais là, en fait, l'important, c'est vraiment de s'interroger dessus, de se dire qu'est-ce que je vais montrer à mes joueurs et qu'est-ce que je vais leur donner, en fait. Comment je vais répondre à ces préoccupations. Il faut que ce soit quelque chose de prévu, au final. Il ne faut pas qu'en fait, tu vends ton... En fait, si le lapin de Khajar Madog, ça était juste genre un truc que tu avais vraiment... Tu avais voulu être ultra terrifiant, mais c'est juste un lapin, c'est là qu'il y a un problème. Ouais. Il faut que genre tu aies conçu la menace comme étant une menace comme étant quelque chose de avec ses tweaks, avec ses perks, avec ses rebondissements dès le départ. Il faut pas que le rebondissement soit imprévu. Bah le rebondissement, il peut arriver après. Tu peux l'inverse aurait aussi très bien marché, hein, si le mage leur dit ouais, non, mais c'est juste un lapin qui est entré de la caverne, vous allez voir, vous allez le défoncer, et qui jette tous dessus et qui se font rect. Ouais. Ça crée un effet qui est très différent, mais qui peut être vachement intéressant en partie. Et là, le mage là, dans la colline qui explose de rire en voyant tous les chevaliers de Terre Pauvron se faire décapiter, c'est un effet qui peut être très intéressant. Mais c'est un truc que tu auras prévu à l'avance. C'est ça. C'est ça que je voulais insister. Ah oui, non, mais là, c'est hyper important. C'est vrai qu'inversement, si tu leur dis, ouais, il est vachement badass, et t'as très mal préparé ta homebrew, t'as tes joueurs hyper optimisés qui arrivent, qui smite le mage en un tour, t'as l'air d'un con. Et inversement, si tu leur dis ouais, non, mais ça va, c'est de la merde, c'est juste un garde qui s'est perdu, qui est arrivé là, c'est pas le vrai boss, il est dans le donjon après.
et que tu roules totalement sur ton groupe, pareil, genre, tu vas avoir l'air d'un guignol. Pour le coup. Quatre et mal préparé. Si derrière ton boss, surtout si derrière le vrai boss, au contraire, se fait rouler dessus, tu vois. T'as son gardien de porte. Ouais, c'est ça. Et derrière, c'est. Genre... Après, c'est pareil, c'est un truc que t'as prévu, ça peut être vachement bien. Si t'as la présence d'esprit en jeu de corriger ça, et tu sais, de récupérer le truc, et en fait, c'est le gardien qui est vachement puissant, et le mec à l'intérieur, en fait, c'est plus l'otage du gardien qu'autre chose, ça peut être hyper intéressant. Mais ça demande de pouvoir beaucoup jongler, beaucoup improviser. Je pense que vous avez parlé un peu de ça lors du dernier sujet. Ouais. En effet. Un autre truc aussi sur lequel il faut. Une clé souvent de ton protagoniste, c'est que pour être. De ta menace, c'est que pour être vraiment. Horrible, pour être vraiment impactant. Il faut jouer beaucoup sur l'information. L'information qu'elle, elle possède et l'information que toi, tu possèdes sur elle. On a pas mal parlé du deuxième. Ouais. Mais la première aussi est super importante. T'as pas tout le temps des menaces qui sont... qui connaissent tout toi et qui vont vraiment essayer de te suivre au fur et à mesure. Mais si tu vois une menace de fin de jeu et que genre tu as une équipe de héros qui va commencer à être connue dans le monde, mine de rien, avec la montée de niveau, à un moment donné, ta menace, si elle est vraiment sérieuse, elle va commencer d'une façon ou d'une autre à prendre en compte tes PJ, et du coup, à commencer à se renseigner sur eux. Et c'est ça aussi qui peut faire qu'une première rencontre peut être vraiment stressante, c'est quand tu vois que, mine de rien, celle qui est en face s'est déjà beaucoup préparée, elle connaît déjà beaucoup de choses sur toi, et du coup, a déjà commencé à préparer des leviers qui vont permettre de te faire pencher, de te fragiliser, d'essayer de te casser, ce qui est généralement un des buts de ta menace. Tout à fait. Alors, les informations. Ouais. Si vous avez des choses... Ouais, je sais pas si vous voulez rajouter des choses, ouais. Moi, ça va. Comment ? Non. Bien. Et bah, je suis un peu à la rue, je vais pas vous mentir. Il va être temps de conclure. Ouais. En résumé, sur comment rendre un antagoniste crédible. Et ça m'a vachement intéressé le débat de ce soir, parce que je sors pas du tout avec les idées que j'avais en arrivant. En fait, pour moi, tu devais faire un truc qui était vachement cohérent, justement. Et en fait, ça m'a intéressé de voir les réactions que vous avez. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que tu pouvais présenter un antagoniste d'une manière et le faire vivre d'une manière très différente. Et qu'en fait, à présenter un antagoniste, par exemple, de manière extrêmement badass, et quand le groupe le découvre, voir qu'il parle, genre, tu sais, le gars, il a du mal à marcher, il parle avec une voix nasillarde et perçante, comme ça, parce qu'il a eu un accident il y a 10 ans où il s'est cassé le nez contre une commode. Ça peut être hyper intéressant, en fait, l'air de rien, et jouer, du coup, sur ses attentes. Jouer sur les attentes des joueurs, finalement, ça va être le plus important, c'est ce que je marquais. C'est qu'en fait, finalement, il n'y a pas de règle sur comment ton antagoniste doit se comporter, doit parler. L'important, c'est de se poser la question en amont et de réfléchir à quelles attentes tu vas créer et comment tu vas y répondre, en fait. Est-ce que tu vas choisir de les trahir en n'y répondant pas volontairement, ou est-ce que tu vas choisir de les respecter ? Le but étant de ne pas être pris de court au dernier moment par un groupe de joueurs qui va exploser de rire devant un antagoniste que tu voulais super badass, ou au contraire, avoir un groupe de joueurs qui va se faire rouler dessus par un antagoniste que tu voulais être super drôle et super facile et être le tutoriel, en fait. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Le PC ouais. Bien sûr. Mais non, c'est ça, globalement. Le fait qu'il n'y ait pas de règles, ça me fait une bonne conclusion à ce niveau-là. C'est juste, la règle, ça reste la cohérence quand même. Les attentes, c'est une chose, mais la cohérence, c'est toujours la clé. Alors, le truc, c'est qu'en jeu de rôle, c'est comme t'écris, comme t'es maître de ton monde, tu peux toujours calquer la cohérence sur les attentes que tu vas créer. C'est-à-dire que tu décides de faire un antagoniste badass, tu peux très bien
en fait, créer ta cohérence pour en faire un mec ultra badass. Ouais. De même que tu peux créer ta cohérence pour en faire littéralement Timmy. Il a besoin d'être porté par un clown parce qu'il est paraplégique. Ça, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est plus la cohérence en interne. C'est-à-dire, maintenant, c'est ça que je voulais dire. C'est ton personnage en lui-même doit être cohérent. Même si jamais tu fais un Timmy, ton Timmy doit rester cohérent. C'est ça que je veux dire. C'est que dans tous les cas, bien sûr. Il y a pas de règle, mais peu importe ce que tu fais, il faut te poser la question de comment je vais le faire. C'est ça. Doit être poncé, quoi. C'est ça que je veux dire. Et particulièrement pour l'antagoniste, du coup. C'est une clé du truc. Quoi. Ouais, la cohérence interne, elle reste clé, et je pense que, en fait, cette clé, tu l'obtiens avec de la préparation. Yep. Un truc qu'on avait dit, qu'on t'a parlé aussi, c'était du coup l'annonce. Il faut que ton KMS soit annoncé, qu'il y ait déjà des signes extérieurs qui montrent à quel point, qu'est-ce qu'elle peut faire et à quel point elle est menaçante pour ton monde. Mm-hmm. Et enfin, du coup, l'information également. Le fait qu'une menace, là, c'est de se renseigner sur... sur toi, Sur toi. Super. Et du coup, moi, il me reste à vous remercier. 22h59. Merci à toi. Messieurs. On est bien, t'as mis le temps. On est bien. Merci tous les trois d'avoir été avec moi ce soir. Merci au chat qui nous a suivis. Nous vous invitons à poursuivre la discussion sur le Discord. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir à 21h. Ou sur les réseaux sociaux, tout à fait. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir à 21h pour Candle Keep avec Rectosis. Ou vendredi à 21h pour Strad avec moi. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et on vous dit à la prochaine. Yep, à la prochaine. Bisous. Ciao.